Avec la source du micro, c'est vachement mieux. Bonsoir à vous, bienvenue ici sur la chaîne de Goldie LDSJ, un peu la chaîne des Dés sont Jetés, pour une soirée exceptionnelle, une soirée placée sous le signe d'Halloween, une soirée placée sous le signe de la terreur. Et merci Max pour ton prime, hein, d'ailleurs, merci beaucoup. Ce soir, vous allez découvrir un système de notre propre confection, à vous et moi, puisque ce système a été construit avec vous, les viewers, et vous allez le voir jouer avec des personnes exceptionnelles qui ont accepté de passer une soirée à se faire torturer et à se faire tuer dans d'atroces souffrances, puisque ça va être un petit peu le jeu de ce soir. Également des personnes qui ont potentiellement envie aussi de passer de l'autre côté du voile, hein, et de tuer ses camarades. Ça va être aussi une possibilité, puisque une fois qu'ils seront morts, ils pourront passer du côté du tueur. Mais tout ceci dans un scénario qui va être improvisé en live, avec, je l'ai dit, de superbes personnes. Alors sur ce, on va tout de suite découvrir les joueurs et joueuses. Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? Bonsoir. Bien le bonsoir. Hello. Il y a les caméras qui sont un petit peu en lag, alors je vais régler ça tout de suite. Moi j'aime bien, je suis lagué dans la bonne position. J'ai un arrêt sur image magnifique. Magnifique, superbe. Bah écoutez, je vais juste régler ça de mon côté, j'espère que vous allez bien, que vous êtes fin prêt. Alors dans le chat, n'hésitez pas à me dire au niveau du son si tout se passe bien pour vous, si tout va bien. Pour vous en dire un petit peu plus sur le système de jeu, hein, de ce soir, évidemment avant de se lancer dans les présentations, de se lancer dans la situation, etc. C'est un système décent auquel on va jouer. Les joueurs et joueuses vont jouer des adolescents, ou des jeunes en tout cas, un peu inconscients, qui vont se mettre dans une situation dangereuse d'eux-mêmes. Et puis il va y avoir des morts. Mais une fois qu'il y aura un mort, chaque mort pourra passer dans l'équipe des scénaristes du tueur. Et donc, ils rejoindront une équipe avec un tueur, et là vous découvrirez d'autres types de règles au fur et à mesure, où vous pourrez notamment voir se construire au fur et à mesure, sous vos yeux ébahis, la fiche du tueur que voici. Alors pour l'instant, il n'y a que les caractéristiques. Alors oui, si les joueurs regardent, le tueur a des caracs un peu pétés. C'est normal, c'est bon le tueur. Il est bon. Donc voilà, un système décent, très simple, asymétrique, avec des joueurs qui sont en vie, des joueurs qui sont morts. Au fur et à mesure, les joueurs vont construire la situation. C'est un jeu qui est axé sur de la co-narration, donc ils pourront prendre le pas sur la narration, notamment quand ce sera à eux de mourir. Et puis également pour la définition du lieu. Voilà. Je rappelle, vous pouvez aller sur le Discord, télécharger la grille de bingo, ce sera important pour vous. Je vous présente également cette grille de bingo, hein. Voilà, donc vous avez une phase victime et une phase post-mortem pour donc la partie tueur. Vous aurez potentiellement à switcher entre les deux parties pour pouvoir, eh bien, afficher soit les hauts faits des victimes, soit les hauts faits des tueurs. N'hésitez pas à mettre un nom à côté de chaque haut fait. Et puis voilà, à la fin on comptera les points, hein. Ce sera juste histoire de pimenter un peu la chose. Alors, avant de lancer cette partie et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter quand même les personnes qui sont avec nous, parce que vous ne les connaissez peut-être pas toutes, hein. La première, c'est Clueless Cora, vous l'avez déjà peut-être vue sur cette chaîne dans la préparation de la partie Monster Arts. Ce soir, elle va être pas trop loin de l'ambiance Monster Heart, hein, quelque part, hein, parce qu'on va rester sur des jeunes ados un peu salauds sur les bords. Et donc, Cora, je te laisse te présenter. Moi ou Tamiline? Oh, bah toi dans un premier temps, et puis ton personnage dans un second. Ça marche. Et bien donc, bonjour, moi c'est Cora, je tiens une chaîne YouTube sur le GN, donc qui est comme le jeu de rôle, mais on se casse vraiment les genoux. Et je suis un peu plus active là maintenant sur Twitter. Je suis en train de refaire des vidéos, dont des collaborations avec le scénarurgien qui va pas tarder à arriver. Et j'ai un chat dans la gorge, voilà. Et j'aime bien venir faire des actual plays avec des gens très sympathiques. Parfait. Très bien, merci. À côté de toi, sur l'overlay, nous avons le fils de pub, Max. Coucou. Du coup, moi, je suis youtubeur et streamer. Sur YouTube, je fais de la critique et de l'analyse de techniques marketing. D'ailleurs, la dernière vidéo est sortie hier midi et elle parlait de Pluche, le film promu par Kev Adams. Et pas de mon chat, sinon, voilà, pour ceux qui se posent la question. De quoi? Et pas de mon chat, parce que mon chat s'appelle Pluche, pour ceux qui sont habitués sur la chaîne. Effectivement, on pourrait confondre du coup. On pourrait confondre. Non, non, c'est bien un film avec des NFT horribles, rien à voir avec un chat tout mignon. Et sinon sur YouTube, non pardon, sur Twitch, je lis des bonnes nouvelles du mardi au vendredi à partir de 9h. Mais pas cette semaine parce que je serai en congé. Ah oui, c'est important aussi les congés. Et bah parfait, juste après toi nous avons Diraen. Diraen, bonjour. Bonjour, moi je suis Diraen, je suis anciennement blogueuse jeux vidéo, je blogue plutôt, plus trop, par contre je m'incruste à peu près dans tous les podcasts possibles, et voilà. Et bah parfait, écoute, n'hésitez pas à aller suivre hein, toutes ces belles personnes. D'ailleurs Kelseros, si tu peux mettre les liens de toutes ces personnes dans le chat, ce serait parfait. Donc voilà, ensuite nous avons, eh bien, dans l'ordre toujours de l'overlay, nous avons Calamity Jenny. Bonjour. Alors, que dire? Moi je commets dans le cadre du studio 4D2 à Lausanne qui produit différents contenus audiovisuels en lien avec l'imaginaire. Ça va des documentaires, aux parties jeux de rôle en stream, enfin bref, c'est très très riche. Jusque-là, je suis vice-présidente, je pense qu'il me fatigue tellement que je vais gentiment passer le relais. Je suis une MJ totalement fana de Alien. D'ailleurs, j'ai fait jouer Goldie à Alien, il a survécu, donc voilà. Wow. Quoi on peut non, j'ai pas survécu. Non, j'ai pas survécu. Ah, je suis mort, moi. Dans la grosse souffrance, trahi en plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et enfin, nous avons notre très cher... évidemment, hein, le studio 4D2, n'hésitez pas à voir ce qu'ils font aussi. J'ai été présent dans quelques parties dernièrement sur un week-end complet. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont sorti les VOD de Nullbuck il n'y a pas si longtemps que ça. Et Alien va venir derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin, je termine par, non pas des moindres, Basile. Eh ben oui, bah, donc eh ben, moi, Basile, je suis le second MJ des Dés sont Jetés depuis peu, donc vous m'avez peut-être vu pas plus tard que vendredi faire souffrir Goldie et nos joyeux comparses. Et sinon, moi, ma petite passion, c'est de créer des outils, des choses pour aider les gens à jouer, et j'en parle notamment sur TikTok. Sur TikTok, eh oui, parfait. Bah écoutez, du coup, c'est parfait, on a eu la présentation un peu de tout le monde, on va présenter vos personnages après le générique, on va lancer le générique, et puis on se retrouve juste après ça, merci Kelseros pour les liens dans le chat, et donc, générique. Voilà pour ce générique, j'espère qu'il vous a plu. Tout le fric, hein, tout le fric dans la production du générique. Voilà, il n'y a plus une thune dans la production de ce film. C'est pour ça que ça va être un nanar. Et il n'y a pas de bon nanar sans avoir des bons personnages de nanar. Et donc du coup, on va vous les présenter tout de suite, en premier temps. Donc du coup, Cora, je t'invite à présenter donc Tamiline. Alors, Tamiline, si on devait en parler, ben on devrait pas. Tamiline, c'est la pétasse incroyable des slashers, donc elle est imbue d'elle-même complètement. C'est une fille à papa qui n'a sans doute rien acquis d'elle-même, mais bon, elle a sans dû faire pas mal de conneries puisque son père l'a force à travailler dans un diner tout pourri. qui s'appelle le Derby Diners, où on force les gens à servir avec des roulettes. Donc forcément, ça se passe très bien, parce qu'évidemment, on n'embauche que des gens très compétents. Est-ce qu'on peut parler de nos défauts et de nos comportements ? Ah oui, tout à fait. Alors, Tamiline, c'est la meuf populaire. C'est une connasse qui surréagit et qui est indécise. Donc, elle va forcément prendre les meilleures décisions. Et en comportement, c'est censé être une belle gosse, une allumeuse, et c'est la reine du premier degré. Donc voilà, donc quelqu'un d'incroyable. Vraiment, c'est la prochaine Malala, je pense. Voilà, elle est parfaite. Eh bien, Max, je t'invite à nous présenter Denis Sarko. Du coup, Denis Sarko, un peu le cliché du nerd des années 80-90, c'est-à-dire pas forcément très à l'aise socialement, mais qui a très envie de plaire aux gens populaires de la classe, évidemment, donc il fait un petit peu tout pour ça, mais qui préfère éviter le conflit. Voilà, si ça part en cacahuète, moi je vais plutôt courir, je pense. Très intello, bien évidemment, je connais plein de choses, j'ai repassé beaucoup de temps à apprendre des trucs, et visiblement je préfère plutôt effectivement gérer les problèmes à distance, parce que mes compétences sont plutôt le lancer et la discrétion. Donc moi vous allez me voir longer les murs jusqu'au moment où je vais me faire éclater contre, je pense. Voilà. Parfait, très bien. Ensuite nous passons à Diraen pour la présentation de Dawn Monroe. Salut, donc moi je suis Dawn, je suis gothique évidemment comme vous pouvez le voir et j'ai une très haute opinion de moi-même. De toute façon tous mes congénères sont stupides, ce sont des adolescents, je suis bien évidemment au-dessus de ça, ce qui me rend totalement antipathique. Je suis égoïste, un petit peu blasée et j'adore faire peur avec mon look et mon comportement un peu rebelle. Parfait. Super, nous passons ensuite à Kirsty Strode. Oui, alors Kirsty est cheerleader, c'est-à-dire qu'elle est blonde, plutôt bien gaulée, les yeux bleus, un air complètement naïf, très bonne amie de Tamiline, mais beaucoup plus gentille, plus empathique, un petit peu dans l'ombre, en fait elle est un petit peu en retrait à gauche derrière Tamiline, c'est un peu le principe. Mais voilà, elle apprécie beaucoup Tamiline. Elle travaille avec elle au diner, c'est le petit job qui lui permet aussi de se payer des petits trucs. Elle a tendance à être très naïve quand même, mais en tout cas toujours très optimiste. Il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on ne lui connaît pas à ce jour de petite amie, ce qui est plutôt étonnant pour une cheerleader qui en général sort avec un membre de l'équipe de foot américain, mais c'est pas le cas. Ok, très bien. Et enfin, eh bien, Brian Anderson. Bah écoutez, c'est simple, Brian est beau, il le sait. C'est pour ça qu'il porte des lunettes, il sait que son regard intimide, surtout la gente féminine. Brian, il aime le football, les femmes et les États-Unis d'Amérique. Wow. D'accord, très bien, super. Dites-moi, dans quelle décennie est-ce que on joue ? On avait des hésitations parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de téléphones, mais en même temps, c'est marrant. Donc on s'était dit éventuellement début des années 2000, quand on a des Nokia de merde, mais qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Et qu'on peut pas vraiment faire des choses très utiles avec les téléphones. À part jouer. Même pas de lampe torche. Qu'on écrivait avec des lettres. Je suis en danger, c'est ça ? C'est ça, et on peut faire juste le serpent. On peut jouer au serpent. Ah, cool. Très bien, parfait. Donc ça, c'est posé. Et également, quelle sera... C'est une arme. Le 3310 c'est une arme. Oui, d'accord. De catégorie 4. Oui, d'accord. Et ensuite, eh bien, quel serait l'endroit, le lieu dans lequel va se passer cette épopée, ce week-end sanglant, enfin cette fin de semaine cinglante, telle qu'on va la vivre ce soir. Eh ben, vu qu'on est la fin de semaine, est-ce qu'on serait pas allé visiter un peu le lieu un peu spooky de la ville où il y a eu pas mal de légendes? Un ancien sanatorium. Oh ouais. Okay. C'est le challenge des jeunes de notre ville, c'est réussir à passer un week-end sans fuir. Dans l'ancien sanatorium. Ok. C'est ça. Sachant que j'avais déjà visité un d'abandonné. Moi aussi, j'ai fait Frankenstein, c'était pas bien. J'ai fait aussi. C'est incroyable. J'ai pas fait moi de mon côté. Vous allez me le faire vivre du coup. Ah bah tu verras, eh bien ensuite, enfin quelle est la raison qui vous amène à tous aller dans ce lieu? Vous l'avez plus ou moins dit, c'est un peu une épreuve de passage, c'est ça? Ouais. Ou alors Est-ce que ça peut être en fin d'année? On a terminé les examens, c'est un peu le moment où on fait la fête, on se challenge comme ça. Parfait, donc on est... Je suis les gens populaires, donc s'ils vont dans un lieu dangereux, voilà, je flippe, mais je les suis clairement, quoi. J'essaie de prouver. Et ça, c'est un truc à faire au moins une fois avant de partir à la fac. Ça. Avant de partir à la fac, c'est ça. Il faut tous passer une nuit dans le sanatorium. Ok, très bien. Et donc du coup, vous répondez à peu près à la question de à quelle période de l'année est-ce que ça se passe. Si c'est fin d'année scolaire, on est début de l'été, quoi. C'est ça? Ouais. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ok. Très bien. Et bien avec ça, on a un bon petit cocktail pour pouvoir mettre en place la situation. Donc on va pouvoir passer dans la première partie de cette session de jeu, à savoir la partie un peu d'exposition. Vous vous approchez de cet endroit un petit peu flippant, à ce que j'ai compris, quand même, l'ancien sanatorium, et vous allez pouvoir me le décrire, me dire à quoi ça ressemble, me dire ce qu'il en est, ce qu'on y trouve. Voilà, vous explorez cet endroit, sachant que, évidemment, vous allez y passer la nuit. Alors, qui prend le lead là-dessus? Basile, peut-être? Oh bah c'est peut-être un bâtiment entre deux guerres, à l'électricité incertaine, à la plomberie tout aussi bruyante que peu hygiénique. Je pense qu'il doit y avoir quelques fenêtres barrées par des planches, la végétation qui est un peu rentrée dedans. Voilà le bon cliché qu'on peut voir dans tout bon slasher. Il y a un parking avec des voitures couvertes de lierre qui n'ont jamais été récupérées. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent de temps en temps et qui se barrent et qui récupèrent pas leur bagnole. Ok. Je vais prendre des notes pour tout ça quand même, parce que c'est important. Donc un parking désaffecté. Il y a pas mal de fenêtres cassées, évidemment. Des petits connards qui s'amusent à jeter des pierres dessus. Ouais. Des bruits de verre. Il doit y avoir un voire deux étages. Oh, même plus, si c'est un sanatorium, tu peux faire 3-4. Hein. 3-4. Avec une serre à l'arrière. Ouais. Ok. Avec une serre à l'arrière, c'est un grand bâtiment avec des balcons où tu vois que même les murs commencent à s'effriter, etc. Effectivement, beaucoup de débris de verre. Et il y a quand même eu pas mal de passages. Parce qu'en fait, là où il y avait des fenêtres qui étaient en bois, il y en a quelques-unes qui sont un peu éclatées. Et des tags, pas mal de tags un peu partout. La question, c'est est-ce qu'on a pu rentrer directement ou est-ce qu'on a dû ouvrir un endroit dans la porte d'entrée où on a dû le sécater nous-mêmes? Ouais, avec une grosse pince, monseigneur, tu sais, clac. C'est ça. Évidemment, on n'aurait pas une... C'est ça. On s'est rendu compte que c'était déjà ouvert, mais c'est pas grave, on l'a fait, quoi. Pour le fun. Est-ce qu'on n'aurait pas une vieille grille en fer forgé noir et puis qui fait tout le tour avec des petits trucs très pointus et très hauts, très dangereux. Ouais, faudrait pas tomber juste en dessous des balcons. Et très rouillé. Et très rouillé. Le tétanos. Oh non. Ah, une belle entrée avec un beau fronton en demi-cercle avec marqué sanatorium dessus. Je suis en train d'imaginer j'imagine le plan depuis le haut du sanatorium avec les 5 connards devant avec leur sac à dos en train de regarder ça. C'est clairement justement l'un des premiers plans du film. On voit effectivement la caméra qui arrive, qui prend le sanatorium et qui arrive derrière les adolescents qui sont prêts à rentrer dedans et qui d'ailleurs font potentiellement le premier pas pour rentrer dedans et pouvoir explorer l'intérieur du sanatorium et découvrir les premières salles. Il fait encore jour pour le moment. Moi j'avais demandé, ouais. Ok. On en était du coup, donc je suppose que 19-20h il fait encore jour. Ouais, tout à fait. Et ça va pas tarder à tomber dans la nuit là, non? Enfin, je veux dire dans quelques heures quoi. Non mais c'est pas grave, hein, on a des lumières de toute façon, hein. Moi je suis venue bien équipée, j'ai pris le matériel de mon père. Waouh, ok. Tu nous éclaires la route, tu passes devant du coup? T'as pas pris ta lampe? Non. J'ai pas une lampe pour 5 personnes, on avait dit qu'on venait chacun avec sa lampe et son sac de couchage. Tu veux dormir dans mon sac de couchage, Denis? T'as pris le tien? C'est bon Denis, j'ai pris une lampe torche en plus, tiens t'as qu'à la prendre. Merci. C'est bon, j'ai ma lampe aussi. Je la pose à côté du terrain quand je m'entraîne au foot tard le soir. Vous savez, pour être le meilleur, être toujours prêt. Très bien. Prends en note, Denis. L'Amérique a été fondée par des gens préparés. Tu m'impressionnes tellement. Vous avancez dans l'entrée du sanatorium, une entrée finalement pas si clinquante que ça par rapport à la façade. Vous voyez un vieux comptoir d'accueil, et d'ailleurs quoi d'autre dans cet endroit? J'imagine une salle d'attente. Est-ce qu'on part du principe qu'il reste quand même pas mal de meubles dans le bâtiment? Ah oui, 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 c'est un endroit. Ouais, d'accord, ouais. Ça n'a pas été complètement piqué, squatté, il y a vraiment encore tous les trucs, quoi. Parce que les youtubeurs d'Urbex, ils sont pas encore passés. Non, ils ont pas tout volé. Après, ils sont quand même pas en très bon état, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont cassé des trucs dans l'accueil, il y a des papiers au sol et tout. Ouais, des chaises renversées. Non, je pense que effectivement les youtubeurs urbex sont pas encore passés parce que le toit ne s'est pas encore effondré sur tout l'étage, donc voilà. Tu veux dire le toit, tu veux dire la magnifique baie vitrée là, la verrière? Oui, oui, tout à fait. Le dôme plafond, ouais. C'est quoi YouTube? Exactement. Ah putain, qu'est-ce que c'est moche, on dirait que c'est Don qui a décoré, hein. Il y a un très très beau carrelage, sûrement aussi, un peu poussiéreux, il y a peut-être des feuilles mortes, tout ça. Ouais, ok. Il y a beaucoup d'araignées aussi. Hein. Il doit y avoir les panneaux qui indiquent les différentes ailes des différents patients, peut-être un quartier haute sécurité pour les patients dangereux à interner là, faute de ne pouvoir aller en prison. Il y a un panneau qui est marqué morgue. Il y a encore la petite sonnette sur le bar, enfin sur l'accueil, pour pouvoir appeler le personnel. Ah oui, bah, elle marche encore. Je m'amuse à appuyer dessus. Ding, oh non. Ding, ding. Non, résonne. Très bien. Tamiline, elle regarde s'il y a une petite vitre éventuellement qu'elle peut utiliser, qu'elle peut nettoyer pour essayer de remettre son rouge à lèvres. Parfait. Vous avez un couloir qui s'étend de chaque côté de cette salle d'accueil, qui part dans des directions opposées, avec évidemment des rangées infinies de salles et des escaliers aussi. De très grands escaliers qui montent à l'étage. Je vous invite à me dire ce que vous allez découvrir dans ces pièces, dans ces étages, voir ce que vous trouvez. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier que vous découvrez dans ces endroits? Bah, déjà, c'est quand même un bâtiment qui est grand. Est-ce qu'on ne se séparerait pas en deux groupes? Prenez une aile et puis nous on va de l'autre côté. Bah oui, c'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire. Bah oui. Ça paraît logique. Évident. Ça paraît évident. D'accord. Donc vous êtes séparés en deux groupes. Pour l'instant, il fait encore jour, hein, vous explorez vraiment évidemment que je vais avec Brian. Vous explorez l'endroit, alors... Donc on a un groupe, Tamiline, Donnie, Brian, c'est ça? Oui. Et de l'autre côté, Kirsty et Dawn. Moi je fais la gueule. J'avais pas envie d'être avec Kirsty. Donnie, t'es sûr que tu veux pas aller avec Kirsty et Dawn plutôt? Moi, je veux bien que Denis vienne avec nous, hein, parce que l'autre là. Ouais, un Denis. Je pourrais là avec. Mais Denis, c'est peut-être ta chance. Bon bah je, ouais, ok, je les suis alors. Tu vois, Brian, s'il pouvait partir avec. On reste pas loin quand même. Hein. Ok. Très bien. Mais du coup, on va faire d'abord le côté Tamiline et donc Brian, qui vous nous raconter ce qu'ils découvrent eux de leur côté. C'est toujours au premier niveau, c'est ça? Où on est... Vous pouvez monter directement si vous définissez qu'il y a tout de suite un escalier qui vous permette de monter. On peut rester au rez-de-chaussée, comment c'est... Ça doit être l'aile de l'administration, là où on commence. C'est d'abord des séries de bureaux. Voilà, si on tombe sur des trucs avec plein de papiers, éventuellement Tamiline commence à les regarder, évidemment elle ne comprend rien. Parce qu'il y a plein de mots en latin qui parlent des pathologies psychologiques des patients, mais du coup elle essaie de le prononcer mais elle n'y arrive pas. Ok, d'accord. C'est d'un chien. Oui, bah, tu sais Tamiline, heureusement... Alors moi je m'y connais un peu, j'ai un peu lu des trucs sur la santé mentale. Tu sais, à l'époque, vraiment c'était pas ça... Hein, Si tu savais tout ce qu'on voulait. Mais je t'expliquerai un petit peu. J'aime bien vraiment, Brian. Tu sais tellement toujours plein de choses. Quand tu iras à la fac, tu m'emmèneras avec toi pour m'expliquer encore plein de trucs? Bah oui. Tu viendras visiter mon dortoir sûrement aussi. Après, moi aussi, je vais peut-être aller à la fac. Hein, t'en sais rien, hein? J'ai aucun doute. Aucun doute, Tami. Avec un sourire comme le tien, qui t'empêcherait de faire ce que tu veux? t'as raison. Je devrais sourire quand on fera les entretiens, c'est comme ça que je vais réussir. Bon, on va continuer à fouiller. Allons-y, allons-y. Ok, on sent, on sent où ça va arriver, ça. Donc vous avez découvert une partie un peu administrative. Et, ouais. Et vous continuez d'explorer cet endroit-là. De l'autre côté, Denis, Dawn, Kirsty, dans votre aile, qu'est-ce que vous découvrez? Mais je pense qu'on arrive dans l'aile, ou du moins la zone réservée aux soins, ce qui va potentiellement des salles de réunion où il pourrait y avoir des thérapies, jusqu'aux salles un peu plus glauques, où tu peux avoir des électrochocs, enfin des trucs comme ça. Assez glauque, et puis une enfilade de salles comme ça. Il y a des vieux bassins aussi là-bas, avec des espèces de l'eau marron qui coule. Ok, vieux bassin. Un vieux bassin avec de l'eau croupie. Moi je vais regarder, je me penche comme ça. Ouais, bah attention, tu pourrais glisser dedans. Hein? Bouh! Tu pourrais glisser dedans, fais attention. Ah! C'est malin. C'est pas drôle. Non, franchement. Ça aurait été drôle que tu tombes dedans. Non, trop pas. En plus, j'ai ma petite jupe toute propre pour m'entraîner demain cheerleading. Alors, c'est pas le moment de la salir, quoi. Quelle idée de venir en jupe dans un endroit pareil. Ouais. Ah bah, excuse-moi, c'est hyper pratique pour courir. Puis elle est jolie. Merci. Ok. Très bien. Donc, on a un espace avec un vieux bassin et de l'eau croupie. On a des salles de soins avec différentes machines. Sur le côté de la zone où il y a de l'eau croupie, je pense qu'on pourrait avoir des belles baignoires en fonte. Elle aussi avec un peu d'eau stagnante dedans, moins que dans le bassin. Ok. Et par contre, vous pensez que vers les tables d'électrochoc ou d'électrocution, il y a encore du courant dedans? Faudrait aller voir. Parce que ça ferait pas bon ménage. Hein. Non, mais fais attention hein, si tu regardes. Enfin, on sait jamais, ça peut être dangereux. Ouais, justement, ouais. Je m'approche des machines et j'essaye de voir s'il y en a qui fonctionnent. Si elles sont branchées et si on peut les allumer. Alors, ouais, en fait, au moment où tu joues un petit peu avec un des interrupteurs, tu vois, tu te rends compte qu'il y a un petit peu de tension qui est passée dedans, et après un peu de temps, ça met... Vraiment, elle a un petit peu mis du temps avant de démarrer, mais pum, t'as un écran qui s'allume, et oui, ça a l'air d'être fonctionnel. Oh. Je me tourne vers vous et je fais « Oh, regardez ça !» Oh, quelle bande de trouillards. Ah ouais, mais tu te crois drôle, franchement. Non, mais pourquoi l'emmener, elle, aussi, franchement? Non, moi, je vais retourner voir Tamiline. C'est flippant, Dawn. Puis en plus, ça a allumé les écrans, là où il y a les radios. On voit des côtes, on voit des trucs. C'est horrible. D'ailleurs, tu vois tu vois la radio d'un espèce de poumon perforé avec... un objet long, pointu. Ah. Il a pas l'air d'aller bien. Hein. Il a pas l'air d'aller bien. Mais d'ailleurs, elles sont pas normales, ces côtes. Je regarde, je trouve plusieurs radios au sol et tout, et quand je les regarde un peu à la lumière, et elles sont très très bizarres, quoi. Les côtes ont l'air gigantesques. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu regardes? Je comprends pas, ça représente quoi? Bah, je crois que c'est une cage thoracique, mais là ça ressemble à la cage thoracique d'un bœuf, quoi. Tu crois? Bah, ou puis c'est pas droit. Bah, c'est peut-être une personne qui avait une malformation, c'est bon, ça va. Hein. Ouais. Et puis ça doit être vieux comme radio, hein. Je suis pas sûr que c'était hyper précis à l'époque. Peut-être. Peut-être qu'il faisait des expériences sur des animaux, on sait pas. Hein. Ah ouais? Tu crois qu'il ramenait des bœufs ici? Bah, je sais pas, hein. Aujourd'hui on sait que les grands laboratoires ils testent leurs produits sur les animaux, alors pourquoi pas il y a 50 ans? Ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être des bœufs. Ok. On retourne vers les autres? Vous avez une volée d'escalier quand vous repartez en direction de l'accueil. Mais excuse-moi, je crois qu'avant de descendre dans l'escalier, en fait, je me retourne juste parce qu'il me semble avoir entendu un bruit. Non, mais l'espace d'un instant, il m'a semblé entendre, tu sais, un bruit de bulle comme ça qui venait des baignoires, mais j'ai dû halluciner, hein, cet endroit, il est glauque. Je crois que j'ai entendu aussi. C'était encore toi, Dawn, qui nous fait des blagues, c'est ça? Non, je crois surtout que c'était dans votre tête. Vous êtes trop impressionnable pour traîner dans des lieux pareils si tout vous fait peur. Bon, ouais, on devrait peut-être rejoindre les autres. Parce que vous serez plus en sécurité si on rejoint les autres, quoi. Y a pas une cuisine quelque part? Enfin, il devait bien préparer à manger pour les gens. Quelqu'un a vu sur le plan? C'était pas au bout du couloir? Eh ben, vous voulez qu'on continue? Ouais. Ok. Eh bien, vous continuez. Donc vous revenez au bout du couloir, c'est ça? Vous n'allez pas vers les escaliers, c'est ça? Les escaliers, je pense que ça doit emmener vers la mort. D'ailleurs, c'est des escaliers qui montent ou des escaliers qui descendent? Ceux-là, ils descendent. Hein. Ils descendent, ceux-là, d'accord. Très bien. Vous allez vers le bout du couloir. Et on va revenir vers Tamiline et Brian pour voir où ils en sont. Tamiline, elle est en train de fouiller encore des documents qu'elle retourne complètement par terre, d'aucun respect. Et pendant qu'elle regarde les documents, si on trouve un truc un peu juteux, elle se tourne vers Brian pour dire « C'est lapin, mon père, il m'a raconté une histoire à propos de cet endroit. » Ah ouais, il m'a dit qu'il y a quelques années, il y a un clodo qui est mort dans, le mont de charge. Là, tu sais, le truc pour les plats. Déjà, faut être con pour aller dormir dans un mont de charge. Mais enfin, moi, pour moi, la pire histoire, c'est qu'il était pauvre. Mais du coup, y a toujours plein de trucs bizarres qui se passent ici. Après, je veux dire, c'est bon, tu peux aller sous un pont, tu n'es pas obligé d'aller dans un asile, quoi. Tu n'es pas obligé de clicher toute ta vie. Ouais, tu sais, c'est des histoires. Moi, j'y crois pas. Tu crois pas que les clodos, ils meurent? Ah si, mais bon, après, des accidents, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas la gagne, qui font des trucs. Ils n'ont pas le réflexe. La survie, c'est un instinct avant tout, tu vois. T'as raison, Lapin, c'est exactement ce qu'a dit mon père. C'est qu'en fait, s'ils sont morts, eh ben, ils n'avaient qu'à pas être mes pauvres. Nous, on risque rien, Bichette, tu sais. Je sais. Bon, on n'essaie pas de trouver un endroit plus sympa parce que là c'est chiant les papiers, on se croirait à la bibliothèque et je m'emmerde. Mais ouais, il doit bien y avoir peut-être une petite salle de repos. On va quand même. Sinon on peut essayer de trouver genre une morgue, viens on essaie de leur faire peur. Oh ouais, je suis sûr qu'ils auront la pétoche. Bah de toute façon, t'as vu comment là. L'autre elle a le cul tellement serré, tu lui feras avaler un charbon, elle va le chirer un diamant, hein, donc... Ah là là, comme tu es fine, j'aime ton esprit. C'est vrai, j'ai perdu du poids, je sais, j'espère que tu remarques, mais quand même. Ok. Allez. À la recherche de la morgue. Allons-y. Vous tombez sur un escalier, même question, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Ah bah il descend, j'espère. Il descend, ouais. Il descend, très bien. Si on cherche la morgue. Vous trouvez pas du tout des escaliers qui montent, c'est magnifique. Le truc qui fait 3 étages, vous trouvez que des escaliers qui descendent. C'est au bout du couloir, c'est pour ça, c'est très mal organisé. Dans les années 30, l'art déco, c'était pas bon, l'architecture, c'est connu. Très bien, bah vous descendez par ces escaliers. Il fait davantage sombre, mais vous voyez un petit peu au loin la lumière d'un néon qui clignote un peu, qui a un peu de mal à s'allumer et qui... De temps en temps s'éteint complètement et puis voilà, il pulse un peu comme ça. Sur un seul endroit ou c'est vraiment... Un seul endroit un peu au loin. D'ailleurs des moustiques ici. Oh tu sais j'ai prévu, j'ai la crème anti-moustique si tu veux. Tu penses vraiment à tout, franchement tu pourrais être un Marines. Tu sais j'ai... Un Navy Seal. Moi la nature ça me connaît, je suis allé en colo 2 fois. Oui, puis t'as été en colo, c'est ça? Ah ouais, t'es en jardin. Et j'ai ma lampe de poche. Écoute, ce petit néon là. Je vais peut-être le bricoler un peu pour voir si on peut s'éclairer mieux. Allez. Moi j'ai toujours dit que franchement, ton idée de business, de tuning de lampe torche, ce serait vraiment un truc de fou. Je comprends pas pourquoi ton père a pas voulu financer. Hein. Ah, mais ça c'est papa, tu sais, il a pas encore reconnu tout ce que je pouvais faire. Mais je crois qu'il me met à l'épreuve, c'est pour mon bien. C'est pour que j'ai la win. Allez, on avance, allons vers cette lumière qui clignote. C'est forcément bon signe. Ok. Qu'est-ce que vous trouvez sous cette lumière qui clignote? Ben, c'est l'entrée de la morgue, probablement. Oui, avec un panneau en métal où c'est écrit « Morgue ». Qui est moitié décroché, qui penche un peu sur le côté. Hein. Bien sûr. Sinon, c'est pas un vrai panneau morgue. Parfait, très bien. Vous avez trouvé la morgue, félicitations. Eh ben, on va commencer à ouvrir. Bien sûr. Tu crois qu'il y a encore des corps? T'as déjà vu un corps? Bah, t'es là, mais tu veux dire un corps mort? Oui, un corps mort, bichette. Oui, j'ai vu ma grand-mère mourir quand j'avais 6 ans. C'était horrible, parce que déjà, de base, elle était moche. Mais alors, démaquillée, c'était horrible. On aurait dit une momie, mais genre sans les pyramides. C'était insupportable. Mais bon, après, c'était ma grand-mère, donc j'avais pas trop peur, quoi. Et toi, bébé, t'as déjà vu un corps mort? Moi, j'ai vu un raton laveur. Mon père, il avait roulé dessus avec son 4x4. J'avais oublié que ton père avait un 4x4. Bah oui. Il me le prêtera cet été si tu veux. On ira en balade. Bien sûr. Pour qu'on aille à la pêche, ce serait super. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve la morgue? Il y en a un qu'on se cache, on leur fait peur, on leur fait croire qu'il y a encore quelqu'un. On pourrait se cacher et s'ils arrivent par là, on leur fait peur, ce serait rigolo. Avec ce petit néon qui clignote, je suis sûr que ça va les attirer comme des moustiques, comme si... tu l'as dit. Tu veux que je les appelle, que ce soit genre qu'il se passe quelque chose et que je leur demande à l'aide et toi tu leur fais peur? Vas-y, on fait ça. On fait ça. Ok, vous rentrez dans la morgue et vous découvrez effectivement une rangée vraiment très cliché hein, de ces espèces de chambres funéraires en fait, qui s'ouvrent comme ça chacune, où il y a un espèce de petit chariot pour sortir le corps. Il y en a certains qui sont déjà ouverts et déjà sortis. Et bah, dites-moi ce que vous trouvez et ce que vous faites là-dedans, sachant qu'il y a aussi, je pense, une table de dissection potentiellement avec quelques vieux outils qui traînent. Il doit y avoir des outils, il doit y avoir aussi peut-être des produits un peu genre formaldéhyde, tout ça. Moi je m'approche et j'ouvre des flacons, je renifle de façon totalement sécuritaire. Attention Bichette, tu vas avoir la tête qui tourne. Ah, je vais devoir te porter après. J'ai un oncle qui est chirurgien esthétique, alors je connais plutôt bien. Ah. On n'est pas encore dans la partie où je vous fais faire des lancers de dés, mais j'ai tellement envie de te faire lancer de dés là. Fais-moi un jet de chance, juste pour le fun. Merde, attends. Un jet de chance. Eh ben je suis à 83. 83, ok. C'est de l'éther pur. Et t'as la tête qui tourne complètement après ça, voilà. D'accord, et ben étant donné qu'en plus j'ai choisi des chaussures absolument confortables pour cette étape, donc probablement des petites chaussures à talons en vinyle rose flashy, oh là là, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression de passer un examen de maths, et là je manque de tomber en plein milieu. Je la rattrape à la volée, avec mes bras forts et musclés. Et là, pour la scène, je pense que le réalisateur vous dit « Et... on coupe pour le suspense !» Et on repasse du côté, donc du coup, de Denis, Dawn et Kirsty. De votre côté, vous alliez vers le bout du couloir, voir ce qui se passait, parce qu'il y avait des bulles que vous aviez entendues, c'est ça? Oui. Clairement, moi, je les ai entendues. Hein. On s'en fout des bulles, vous voulez pas chercher la cuisine, plutôt? De toute façon, il n'y aura rien à manger. Bah, si t'as envie de bouffer une boîte de conserve d'il y a 50 ans, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Non mais Denis, allez chercher vos bulles. Moi, je vais chercher la cuisine. Bah, je pense qu'au bout du couloir, d'après le plan qu'on a regardé en arrivant, normalement, ça doit être là-bas, si on continue. Non mais sinon, elle va dans la cuisine, puis nous, on va regarder ce genre de bulles, hein. Tu veux qu'on regarde les bulles? Oui. Ok. Oui, va voir la cuisine. Hein, du coup, je me casse voir la cuisine. Nous, on va regarder. Tu te casses voir la cuisine. Ok. Et en partant, je fais essayez de pas crever de peur. Allez, c'est bon. Maintenant, le groupe est en 3. Alors, on va commencer par Denis et Kirsty. Vous venez d'être abandonné par Dawn et vous allez en direction donc du bruit de bulles. Vous revenez donc dans la salle. Ouais. Plus on avance, plus je me rapproche de lui, mais tu sais, je reste dans son dos, puis je me mets comme ça et j'essaie de regarder par-dessus son épaule. Ah. C'est dangereux. Peut-être, mais si tu restes derrière moi, je te protégerai. D'accord, dis-je en collant mes nibards contre son dos. Oh. Oh. Oh, oh. Je crois que j'ai senti un truc. Allez, dans deux minutes, on va avoir le... C'est ta lampe torche que je sens dans ta poche. C'est la joie de me voir. J'ai pas de lampe torche. Mais moi, j'en ai une. Puis du coup, je passe par-dessus ton épaule, puis j'essaie de plus ou moins d'éclairer la direction dans laquelle tu te diriges. Ok. On se rapproche un peu de la baignoire, du coup, tu veux éclairer dans le fond, là? J'essaie d'éclairer, plus ou moins, cette espèce d'amas... ouais, mi-grumeleux. Effectivement, il y a une baignoire avec de l'eau un peu mi-croupie, mi-vaseuse là-dedans, et effectivement, vous voyez quelques petites bulles qui remontent à un endroit. Ah ouais, donc c'était bien des bulles qu'on avait entendu là quand même. On devrait peut-être aller le dire à Dawn, non? Ouais, non, elle est loin. Non, mais tu crois que c'est les vieilles canalisations? D'après les plans qu'on a vus, oui, c'est possible que ce soit les canalisations. Ça doit être les canalisations, de toute façon, ça peut être que les canalisations. Oui. Quand tout à coup, il y a un truc qui surgit de l'eau. Ah, je me couche au sol. tu te couches au sol, parfait. La caméra vient te filmer au sol comme ça. Et juste à côté de toi, tombe juste à côté de toi une petite grenouille. Ouais. Oh. Ah bah c'était une grenouille. Oh, j'ai la peur de ma vie. Moi non, mais ça va. Il s'aplatit. Je vérifiais juste le sol. Mais je crois que je me suis coupé en plus avec le verre. Je saigne. Oh non, c'est pas vrai. J'arrache un petit bout de ma jupe qui est déjà vachement courte, c'est une jupe de cheerleader, pour essayer de te faire un pseudo-bandage improvisé. Oui. D'accord. Merci beaucoup, merci. Ça va, t'es tout blanc. Ah bah c'est le sang, c'est les émotions, ça, c'est le... Ah, d'accord. Je crois qu'on voit un peu ta culotte. Petite culotte en coton blanc. Oh. Aussi blanc que moi, du coup. Ok, très bien. Et bah, du coup, vous avez fait cette découverte, vous continuez d'avancer et vous allez arriver vers le bout de la... Enfin non, vous êtes toujours dans cette pièce d'ailleurs avec les baignoires, quand de ton côté, toi Dawn, par contre, tu avançais en direction donc de la cuisine, telle qu'elle était indiquée sur le plan. Je te laisse me dire ce que tu y découvres. Tu la trouves effectivement à l'endroit prévu. T'as peut-être un petit peu... Tu galères d'ailleurs à ouvrir cette porte. Qu'est-ce qui bloque la porte? Qu'est-ce qui pourrait bloquer la porte? Un plateau roulant qui sert à trimballer les repas, qui a été posé là, et donc je mets des grands coups d'épaule pour essayer de faire bouger le machin roulette là. Ok, d'accord, donc tu forces, tu finis par passer effectivement, et là tu découvres la cuisine. Donc c'est une grande cuisine avec un îlot central assez large pour pouvoir préparer beaucoup de repas. Sur les côtés, j'imagine qu'il y a deux grands frigos vraiment immenses, suffisamment grands pour qu'on puisse rentrer dedans. Du coup, je les ouvre pour voir s'il reste des trucs. Ok. Eh bien, tu trouves de vieux produits de soins qui sont stockés dans un des deux frigos. Qu'est-ce que tu trouves d'autre d'ailleurs? Peut-être que dans le frigo d'à côté, il y a un truc en deux parties. Donc une partie dans laquelle on pouvait accrocher des morceaux de viande qui est vide. Et pendant une seconde, je me dis que je pourrais me cacher dedans pour faire peur à mes copains. Avec un espèce de gros crochet là Ouais, avec un crochet à viande. Et le reste est vide. Donc ça pue pas trop. Donc je pourrais me cacher dedans sans mourir étouffé par les vapeurs de moisie. Okay. Et du coup, je continue à longer et j'ouvre à peu près tous les placards, je tire tous les tiroirs jusqu'à trouver les différents ustensiles de cuisine, donc les grosses casseroles, évidemment okay. les couteaux. Évidemment. Tu trouves les fourchettes à barbecue, même, tout ça. En fouillant dans tout ça, tu trouves quand même de vieilles conserves qui sont pas ouvertes. Par contre, la DLUO indiquée est dépassée depuis bien une vingtaine d'années. Il y a encore les étiquettes dessus? Ouais. J'en mets une ou deux dans mon sac au cas où. Ok. Je pourrais probablement faire des conneries avec ça. Qu'est-ce que t'as pris comme conserve? De la viande, un truc de, je sais pas, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on met en conserve? Des lentilles et de la langue de bœuf. Du cassoulet. Pour faire le lien avec les bœufs. Oh, de la langue de bœuf, génial. Je mets du spam, la viande reconstituée des Américains, dégueulasse. Ah, du spam aussi, ouais. Bah, je mets du spam et de la langue de bœuf dans mon sac. Mmh. Ok, très bien, super. Pour des lendemains qui chantent. Je suis sûre que je vais pouvoir faire un truc dégueulasse avec ça à un moment. Je cherche aussi l'ouvre-boîte parce qu'à l'époque, il n'y a pas les ouvertures faciles. Bah, tu le trouves assez facilement, effectivement, dans les ustensiles. Voilà, il y a un ouvre-boîte, il y en a même plusieurs. Bon. Tu sens que c'est les grandes cuisines un peu centrales où tu fais de la cuisine mais pour beaucoup de monde, pour un peu tout le bâtiment, et du coup tu vois qu'ils avaient l'habitude d'ouvrir de très grosses conserves. Là toi c'est des petites que tu as trouvées, mais tu as aussi des conserves de maïs qui font bien cette taille là, qui sont vides, posées dans un coin, etc. Je mets ça dans mon sac aussi. Je suis sûr que je peux en faire quelque chose. Une saloperie. Très bien. Super. Le temps passe. Vous découvrez un peu tous les pièces dans lesquelles vous alliez. Et est-ce qu'il y en a qui prennent la direction de la cave? Bah non, on était de déjà la morgue, non? Ah oui, dans laquelle vous y êtes. Est-ce que parmi Dawn, Kirsty et Denis, vous allez vers là-bas? Ben, je crois qu'on avait quand même croisé l'escalier qui descendait. Ouais, vous aviez croisé l'escalier, effectivement. Donc est-ce que Dawn revient vers nous? Ouais, moi quand j'ai fini, j'essaye de la retrouver. De toute façon, il y a un moment, je vous ai entendu hurler, non? Non, oui. Pas moi. Moi, j'ai pas hurlé. Tu as entendu un très aigu, hein. C'était Kirsty, je pense. Donc du coup, quand j'entends ça, je roule des yeux et je fais « Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» Et je vais vers vous. Ok, très bien. Bon, vous vous retrouvez dans le couloir où vous étiez laissé. Et du coup, bah, vous me dire ce que vous faites. Il y avait une grenouille. Il y avait une grosse grenouille, hein. Il y avait un truc qui bougeait dans la baignoire. Voilà, ça arrive. Je vous avais dit de pas mourir de peur. Une grenouille, vous êtes ridicule. Bon, ils sont où les deux autres, là? Très grosse. Tu voudrais pas t'étouffer avec un truc moisi que t'as trouvé dans la cuisine, franchement? T'as parlé? T'as dit quelque chose? J'ai pas entendu. Bon, Denis, on va retrouver les autres, là, elle me fatigue. Pourtant, je suis plutôt de bonne composition, en général. Hein. Tout web. Vous battez pas, on va retrouver les autres, ce sera plus simple. Donc vous vous rassemblez pas, au final vous partez en direction du bas, et toi Dawn, tu fais quoi? Bah je les suis. Tu les suis, ok. Ça marche. En me mettant derrière Kirsty, en faisant des petits... En te moquant très ouvertement, quoi. Totalement. Je la vois un peu du coin de l'œil, je lui fais arrête, c'est bon là. Vous avancez, vous retrouvez vous aussi dans cette espèce de tunnel dessous avec ce néon qui est un petit peu qui fait sa vie, on va dire, un peu indépendamment, quoi. Je crois qu'il y a vraiment des problèmes avec l'électricité, hein. Je les appelle. Ouh, Tammy, Brian, Alors, la question, c'est combien de temps est-ce que Tammy et Brian ont eu pour éventuellement concocter un plan diabolique? Oh, là, ils ont bien eu un petit quart d'heure, 20 minutes. D'accord, donc il y a eu le temps de s'étouffer sur quelque chose de moisi et de réfléchir à un plan. Je fais des blagues exactement horribles. Ça. Donc, je pense que Tammy aurait éventuellement proposé d'enfermer Brian dans un des trucs, sans évidemment vérifier si c'est possible de réouvrir, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et moi, j'ai suivi. De les attirer dans la morgue et de refermer la porte derrière eux de la morgue pour que Brian essaie de faire un truc avec les lumières à l'intérieur, quitte à faire croire qu'il y a une créature qui essaie de s'enfuir, quoi. Donc, si je viens à les entendre dans le couloir... où vous êtes où? Il y aura une Tamiline complètement désespérée qui fait « Ah mon Dieu, ah, vous êtes là, mais ça fait depuis tout à l'heure que je vous appelle, je sais pas où vous étiez passé, je gueule comme une huître depuis tout à l'heure. Mon Dieu, c'est horrible ce qui s'est passé. » Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Mais c'est parce que j'étais avec Brian et puis on était dans la morgue et puis je comprends pas ce qui s'est passé, il a complètement disparu, mais j'entendais plus depuis tout à l'heure, je suis complètement effrayée. Ça fait 10 minutes que je vous crie dessus, vous étiez où? Non mais Tami, calme-toi, calme-toi. Non, je peux pas me calmer. Denis, va voir, va voir. Ah, non, il faut que vous y allez tous parce que vraiment, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais vraiment, moi, ça me fait vraiment trop peur. Ouais, faut mieux pas qu'on se sépare. Non, mais je vais vous montrer. Et donc, j'y vais vraiment en claudiquant dans la morgue. Et du coup, quand il passe devant le casier dans lequel je suis rentré, je tape un gros coup, comme ça. Ça doit faire un bruit métallique de dingue. Alors, je sais pas si la porte, elle s'ouvre ou... Si la porte, elle s'ouvre, je hurle en essayant d'attraper le premier, je fais ah comme ça. Ok, bah la porte s'ouvre effectivement. Tu hurles comme ça et c'est Denis qui est le premier. Ah je me recouche au sol. C'est ma technique à chaque fois. Je fais le mort. Et du coup, j'éclate de rire. un moulinet avec. Ah, du coup, je me prends un coup de sac. Donc, avec tu prends un coup de sac dans la gueule, effectivement. Ah ouais, avec des oh, oh bordel Dawn, mais qu'est-ce que t'as dans ton machin? T'as trimballé ta baraque ou quoi? Ah, je suis vraiment désolée, pardon, excuse-moi, c'est juste un réflexe. Ça va, je t'ai pas fait mal. Oh, on peut plus faire la petite plaisanterie. Je pousse Dawn, mais je la ravage contre un des casiers. Ça va, lapin, t'es pas blessé? Dis-moi, bébé, regarde, je crois que j'ai un bleu. Oh là là, mon visage. Mon beau visage, c'est absolument tout. J'ai des essais photos la semaine prochaine. Je crois que tu pourras me maquiller pour rattraper ça, parce que là... Chérie, là, ça va pas être des essais, ça va être des ratés photos, hein, ce rythme-là. Mais elle est con, l'autre, de frapper avec des gens avec une machine à écrire. Heureusement, j'ai toujours mon beau profil. Je suis désolée, Brian, tu m'as surprise. Je pensais pas que c'était toi. Ouais, c'était notre stratégie de défense. Mais t'es con, Dawn, quand t'es surprise, tu dis « Mon Dieu, j'en ai jamais vu un aussi gros, tu frappes pas les gens ?» Je suis désolée, mais moi, je frappe les gens. Je ne te cours pas partout comme une grosse dinde, ça ne sert à rien dans la vie. Je ne suis pas une grosse dinde, je suis une dinde avec un problème alimentaire, c'est pas la même chose. Alors, tandis que vous êtes en train de vous chamailler, Brian, toi t'étais pas complètement sorti de la chambre funéraire, et tu commences à vouloir t'extirper, il y a quelque chose qui te tombe sur les jambes. Ah, c'est vrai que j'ai pas vérifié si la boîte était vide. C'est pour ça qu'il faut que je fasse de l'urbex pour de vrai avec toi, en fait, Basile. Du coup, je vois un bras. Ok. Un peu momifié. Un truc qui a passé là depuis un moment. Et je l'attrape et je le secoue devant le visage de Denis. Je fais hey. Oh, mon petit Denis, alors! C'est un allez, bras. Montre que t'en as une paire. Regarde, le truc, il est là depuis... Et quand je le secoue, je vois qu'il y a des... Le truc, il est gravé. Genre, il y a des... En fait, sur l'espèce d'avant-bras coupé au coude, il y a des... Il y a des petits symboles et tout. C'est même un truc d'artiste, on dirait. Hein. Il y a quelqu'un qui a une lumière? Ben oui, évidemment que j'ai une lumière. Il est bien équipé. Elle est dans mon sac de sport. À défaut d'en être une. Je vais te la chercher, lapin. Je vais te chercher dans le super sac ISPAC avec écrit au Tipex dessus, sinon c'est pas drôle. Je ramène sa lampe torche. Ok. Vas-y, qu'est-ce que tu découvres sur ce bras? Bah, du coup, ça a l'air d'être des... Des symboles gravés, des lettres, des trucs. C'est pas trop, il y en a beaucoup. Hein. C'est vraiment un bras momifié ou c'est une sculpture avec... Non, non, c'est un bras. C'est un bras, d'accord. Un bras qui vieillit. Tu vois, dis donc, il devait y avoir des gens qui devaient bien s'occuper ici. Je suis pas sûr que c'était les activités de travaux manuels du sanatorium, mais bon, hein, avec les déglingos, on sait jamais trop ce qu'il y a. Non mais Brian, c'est dégueulasse, lâche ce truc, c'est un vrai bras, c'est le bras de quelqu'un. Ah, c'est bon, je suis d'accord avec elle. Ou alors ça veut dire qu'il y a un mec amputé en colère dans les couloirs. C'est un truc à choper, une saloperie. Ouais, non, c'est bon, c'est tout sec. Ça craint plus rien. Tant que ça sent pas, c'est que c'est pas dangereux. Enfin, quand ça sent plus. T'as dû sentir à un moment, quand même. Mais bon, tu sais, faut savoir passer outre. Hein. Faut avancer dans la vie. C'est comme ça qu'on a la gagne. On peut pas rester en état de choc, comme ça. Une surprise, il faut savoir saisir. Une surprise, c'est une opportunité. Elle sent son truc de diapositive rose. Attendez, on fait des photos avec, ça va être trop drôle. Évidemment, je me mets en sorte d'avoir la porte du couloir devant moi pour que vous soyez tous dos à la porte. Allez, dites sanatorium hanté. Sanatorium hanté. Pourquoi t'as dit hanté? Bah, parce que sinon, un sanatorium vide, c'est inintéressant, Denis. C'était juste un sanatorium vide pour passer l'espèce de rite de fin d'année, ce serait pas intéressant. Si on voulait dormir dans un endroit nul, on irait tous chez toi. Et ouais, Denis. Tu peux lui laisser la grappe 2 secondes en fait. Tu peux apprendre à parler un peu. Bon, je vais pas foutre la merde, mais elle a dit lécher la grappe. Bah ça, tu pourrais t'en charger aussi, tout te donne. Ça donne quoi tes jours de célibataire en ce moment? C'est mieux que d'avoir la moitié du lycée qui me suis passée dessus. Ah bah c'est la bonne moitié du lycée comme tu peux voir. Et ouais. Et... Non mais Denis, t'inquiète pas, ça va être juste une soirée un peu plus mouvementée qu'une nuit à jouer à la Super Nintendo. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ouais, c'est bien la Super Nintendo. Mais ça... Faudrait qu'on trouve un coin. Bon, on continue à explorer. Ouais. Faut qu'on trouve où est-ce qu'on va poser les sacs et sortir les matelas. Peut-être une petite salle commune, un petit... Est-ce qu'on prend le bras? Bah, non, non, c'est le nôtre, on l'a trouvé. Qu'est-ce que tu veux en faire? Le planter dans ton jardin? Non, on peut pas faire des bras avec des arbres avec des bras, ça marche pas comme ça. Je sais pas, on pourrait le montrer pour dire qu'on est vraiment venu. Tammy a un oncle qui fait de la taxidermie de ouf. Hein, c'est vrai. J'ai vu des opossums. On pourrait mettre celui-là avec un poisson qui chante. Vous finissez par ressortir de la morgue et à remonter et à trouver un endroit où vous installez. C'est une sorte de réfectoire. Voilà, vous pouvez vous installer pour passer un peu la soirée. Et vous êtes dans cet endroit. Dites-moi ce que vous faites de la soirée exactement. Bah, j'imagine qu'on s'installe un petit peu en mode petit campement improvisé. Moi, je demande à Tammy de regarder la super photo. C'est un Polaroid en fait que t'as pris en bas. Oui, mais je l'ai pas du tout regardé parce que je suis très stupide. Je me suis juste contentée de le secouer très fort. Je peux voir la photo, Tammy? Bah oui, oui, si tu veux. Enfin. Allez, merci. Tammy, c'est qui là? Ah, j'ai encore mis mon doigt devant l'objectif? Non, là, regarde, au niveau de la porte entrebâillée derrière nous. Bah, je sais pas, elle est en train de défaire son sac à dos, donc elle regarde absolument pas. Bah, je sais pas, c'est un truc qui fait une tête bizarre, c'est peut-être Denis. Mais non, mais je déconne pas, regarde! Il y a une tête, il y a un visage, là! Du coup, je m'approche, je regarde le truc. Non, mais ça, c'est un effet de lumière avec le néon, il doit y avoir une vitre. C'est juste un mauvais reflet. Tu sais, avec tous les machins métalliques qu'il y a dans la morgue, la lumière a fait des trucs chelous. S'il y avait eu quelqu'un, on l'aurait évidemment vu. Tu sais, moi j'ai un œil de lynx. Hein. On me prend pas par surprise aussi facilement. De toute façon, tu vas nous apporter la shkoumoune si tu commences à dire des trucs comme ça. Il y a trop de légendes sur cet endroit, il faut pas qu'on commence à se porter malheur. Quelle légende? J'en connais plein. Je me rapproche de Denis. Je fais, mais putain, pourquoi tu traînes avec eux? Ils sont tous plus débiles les uns que les autres. Ils sont gentils. Non, ils sont pas gentils avec toi. T'as vu comment est-ce qu'ils te parlent? Regarde, je comprends pas pourquoi. Moi, je suis gentil, j'ai tout prévu. Et là, je sors des packs de bière de mon sac à dos. Oh. Et même je partage. Ah oui, une fois j'en ai bu sans alcool. C'était bon, hein. Je vais prendre une bière. J'espère qu'il y a beaucoup d'alcool. Il va me falloir au moins ça pour vous supporter. Moi, je pousse un peu les débris de verre. Je fais un tas dans un coin parce qu'il ne faudrait pas qu'on glisse dessus, quoi. Du coup, je fais un gros tas de verre brisé dans un coin. Denis, vu que t'es sur ta lancée, tu veux pas t'occuper autour de mon sac de couchage, s'il te plaît? Ouais, pas de souci, ouais. Merci, je vais balayer Denis. Un peu partout, ouais. Merci. Et je continue à prendre des photos. Des petits tas. Plusieurs gros tas. Ok, très bien. Bah, écoutez, vous commencez la soirée. Et en cours de soirée, eh bien, voilà, il commence à pas y avoir trop d'ambiance. Au final, vous êtes dans un endroit qui, somme toute, paraît un petit peu calme. Et est-ce que vous envisagez de faire des choses en particulier? Je veux dire, à part picoler et raconter des conneries? On pourrait se raconter les histoires. Ça peut être le plan de la soirée. Ça peut être le plan de la soirée. Est-ce qu'on s'allumerait pas un petit feu en intérieur? Un petit... Ah mais quelle bonne idée. Voilà, moi, les chiottes sont brisées de façon, donc on n'aura pas le risque de s'asphyxier, je pense. Moi, j'ai pas le droit d'utiliser des briquets depuis que j'ai démarré tous les feux d'artifice et que j'ai tué le chien de ma mère. Mais vous pouvez vous en occuper. Ah. Ouais, moi je sais, moi j'ai appris dans la nature. On va trouver sûrement là. Il doit y avoir du bois, des vieux papiers. Je vais aller chercher quelques vieux papiers dans l'aile des bureaux. Tu fais attention, mon chat. Je vais venir avec toi. Allons-y. Je vais rester avec les filles, comme ça je les protège. Ouais, reste avec nous. C'est ça, reste avec nous, Denis. Et une fois qu'ils sont partis, je me tourne vers Tammy. Tammy, tu trouves pas que ça... En fait, la situation dans laquelle on est maintenant, ça fait penser... Tu sais, ce film qu'on allait voir au cinéma l'année dernière, là, The Hole... Titanic où... Non, tu sais, le film où t'as une petite bande de jeunes qui se retrouvent dans une espèce de bunker, et en fait, parmi eux, il y en a une qui finit par les retourner tous les uns contre les autres, et ils finissent tous par mourir. Tu vois, un peu genre Dawn, en fait, tu vois, elle n'est pas des nôtres. Si ça se trouve, peut-être qu'elle nous fait un plan tordu, en fait. Tu veux dire que c'est un alien quand il n'est pas des nôtres, genre rencontre du troisième type, celui-là? Non, mais Dawn, je la connais depuis tout petit, c'est pas un alien, hein. Et alors, est-ce que c'est un alien depuis tout petit, t'en sais rien? Bon alors, Alien, je sais pas, mais en tout cas, elle est chelou, on va pas se mentir quand même. Hein. Non, elle est pas chelou, elle est déprimée. C'est très compliqué, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de connaissances sur la santé mentale des jeunes adolescents. Et toujours, ah putain, il y a une araignée! Ah non, il y a une araignée! Denis, tu l'as, elle est pas dans mon sac de couchage! Jette-la sur la tienne! Jette-la sur la tienne! Peut-être qu'on peut déménager, on peut peut-être aller dans un autre lieu. Mais non, c'est sale partout, Denis, t'as qu'à nettoyer tout le sanatorium, je sais pas, moi, fais quelque chose, tu vois bien qu'on est occupé, on a une conversation. Je vais chercher le balai. Très bien. Non mais donc, attends, très sérieusement, c'est qui a eu l'idée de venir ici? Franchement, on est d'accord, c'est Dawn. C'est pas forcément Dawn, c'est la tradition. Et la tradition, c'est ce qui a construit l'Amérique. C'est ce que Diraen me dit tous les jours. Moi, je trouve ça quand même un petit peu louche. L'Amérique n'est pas louche. L'Amérique est importante, Kirsty. Si c'est Brian qui le dit. Hein. Voilà. Merci, Denis. Denis, mon araignée, elle est où? J'ai le balai. Et ben voilà, bah tu t'en sers. Allez. Ah, sur l'araignée. Allez, viens, Kirsty, au lieu de se poser des questions, on fait une photo. Elle sort de nouveau son truc de diapositive pour essayer de faire un selfie avec le truc où elles vont s'aveugler comme des deux débiles, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ok, très bien. Donc, vous, de votre côté, vous faites ça. Pendant ce temps-là, Dawn et Brian, donc vous avancez dans l'aile administrative pour aller chercher des papiers. On va chercher les papiers, effectivement, on va avancer. Je fais alors Dawn. T'as pas trop peur des hôpitaux? Tu sais qu'il y a eu des légendes ici. Mais toi, t'as l'air d'être gothique, tout ça. La mort, c'est ton truc, non? Ouais, la mort, c'est mon truc. Un peu comme l'état du cerveau de ta copine. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Faut apprendre à la connaître, Tammy. Elle a un bon fond, elle a un cœur énorme, et pas que le cœur. Ouais, vraiment... enfin, niveau bagage intellectuel, elle voyage très très léger quand même. Ouais, mais voyager léger, ça permet d'aller loin. Écoute, passe un peu de temps avec elle, tu verras. Tu te vois te marier avec elle et finir tout le reste de ta vie avec elle? T'as pas envie d'avoir un peu de stimulation intellectuelle? Ah, écoute, pourquoi pas elle me cajolerait devant les matchs de foot, servirait des bières pendant que je fais les barbecues, on irait camper, on dormirait à l'arrière du pick-up. Tu sais, faut apprécier les choses simples. C'est des gens simples qu'on construit l'Amérique, tu sais, Dawn. Trouve des papiers. Sur ce silence un peu gêné, vous avancez jusqu'à l'administration. Vous trouvez des papiers, effectivement. Et Brian, tu vois un espèce de vieux bureau qui tient plus trop debout. Tu penses pouvoir dézinguer assez facilement les pieds pour pouvoir les utiliser pour faire un feu. Ok, eh ben je sors mon canif. Je suis évidemment venu avec ça. J'ai sûrement et puis bah, je commence à voilà, essayer d'éclater un peu des bouts morceaux de bois du bureau. Moi je sors mon couteau à papillon et je commence à découper des feuilles dans les livres et je jette des petits coups d'œil à Brian en me disant il est quand même super bien gaulé. Il est con mais il est beau. Ok, très bien. Ça, moi, avec l'effort, en plus, je commence à avoir un peu chaud. Vous faites ça, tandis que les autres sont en train de prendre leurs photos avec leur Polaroid dans le réfectoire, jusqu'à ce que vous entendiez un bruit. Tous, autant que vous êtes, au niveau de l'étage. Étage que vous n'avez pas visité, semble-t-il. Tu crois qu'il y a d'autres jeunes qui ont eu la même idée que nous, Dawn? Ah, c'est possible. Si c'est Christopher et les fumeurs de shit. Pff. Allez, peut-être on pourrait leur faire peur. Ou on pourrait aller les voir et leur piquer des bières. Hey. Ils sont plutôt cool, les fumeurs de shit. T'as de l'esprit d'initiative. Ça me plaît. C'est ça qui a aidé à construire l'Amérique. Allons-y. Donc on va chercher les trois autres ou... Non, bah non, ils seront contents, on leur ramène des bières. Allez, écoute, ça marche. Viens avec moi, tu craindras rien de toute façon. S'ils sont un peu relous, je les calmerai. Vous montez je joue avec mon couteau à papillon et je te dis juste, de toute façon, je saurais me débrouiller toute seule. Et je te suis. Vous arrivez dans... Après avoir monté la volée d'escalier, vous arrivez dans un couloir... qui semble être le couloir des chambres. Il y a tout un tas de portes qui s'alignent les unes après les autres. Et tandis que vous avancez dans ce couloir, vous entendez à nouveau un bruit vers une des chambres au bout du couloir. Le bruit, ça a l'air d'être quelque chose d'assez sourd, un bruit assez sourd, comme quelque chose qui serait tombé. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Je braque là. Il commence à faire nuit là ou pas? Oui, là maintenant il fait nuit. Je balaye. Feu, mais... Je balaye devant nous avec ma lampe torche. Et moi, l'air de rien, je la laisse passer devant. Ok. Sans trop que ça se voit, mais. Tu laisses passer devant, vous avancez, et à l'entrée de cette pièce, vous voyez qu'en fait, il y a un espèce de volet, c'était encore des volets battants à cette époque-là, et que le volet cogne contre la paroi de manière un petit peu erratique, et très fortement, puisqu'il y a l'air d'y avoir du vent à l'extérieur. Ah. Eh ben, pas de bière. Ah zut, j'ai presque fini toutes celles que j'avais. Je me dirige vers le volet pour essayer de voir, de me pencher, voir si je peux le caler ou l'accrocher à l'intérieur pour qu'il arrête de faire du bruit. J'ai peur que ça terrifie les débiles du dessous. Moi, je commence à faire demi-tour du groupe quand elle fait ça. Au moment où tu pousses un peu la porte pour aller voir le volet, il y a un objet qui tombe assez violemment et qui semble faire un bruit assez violent et qui te surprend. Et qui surprend aussi Brian d'ailleurs, qui n'avait pas encore, fait demi-tour. Je demandais à tous les deux un test de mental. Et je vous laisse m'annoncer si c'est une réussite ou un échec. C'est raté. C'est raté aussi. C'est raté pour tous les deux. Ok. Quel degré de... Vous avez fait combien par rapport à quel... J'ai fait 97. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très raté. 43. 43, ok. En fait, Dawn, t'as un sursaut. Tu t'arrêtes pendant un moment et en fait, tu t'aperçois que ce qui vient de passer devant toi et de faire un boucan du diable en tombant sur le sol... Ce n'est ni plus ni moins qu'un porte-manteau qui tenait à peine, et au moment où t'as bougé la porte, ça l'a fait tomber. Toi, t'es complètement tétanisé face à ça, tu prends un petit peu de temps à reprendre tes esprits. Quant à toi, Brian, tu as paniqué, mais tu es resté à peu près maître de tes moyens. Qu'as-tu fait face à cette situation un peu de panique et face à ce bruit que dont tu ne t'y attendais pas, auquel tu n'attendais pas? J'ai sursauté en position un peu comme si j'essayais de me donner une constance, et puis en voyant que Dawn était plus paniquée que moi, j'ai fait bah alors soudainement tu perds ton assurance. Ah, quand je vais raconter ça aux autres, eh dis donc, on dirait Donnie. Allez, ah, je vais leur dire. Ah, et puis moi je pars. Ah, je vais aller leur dire. Ah là là. Je me retourne doucement avec mon couteau à papillon dans la main que j'ai serré avant de blanchir les jointures. Je vais en tuer un ce soir, c'est obligé. Je vais finir par tous les buter. Ils sont insupportables. Et j'essaye quand même d'aller bloquer ce volet pour passer un peu de temps toute seule et essayer de me calmer. Ok. Donc Brian, toi tu es reparti. Tu redescends. Dawn, tandis que tu es dans cette pièce, que tu t'avances pour aller voir ce qu'il se passe au niveau de ce volet, peut-être le fixer, histoire qu'il arrête de faire peur à tout le monde, la porte que tu avais poussée pour aller fermer ce volet se referme. Tu entends derrière toi un clac. Je me retourne en faisant Brian. Tu découvres une silhouette dans l'ombre, une grande silhouette. Et je te laisse décrire ce qu'il se passe, tout en restant très flou parce que tu vas être la première. Oh. Félicitations. Je hurle, je commence à essayer de fouetter l'air avec mon couteau à papillon en reculant. Et je tombe par terre. Et donc je continue à hurler, à hurler, à hurler. Et soudain, je commence à faire des petites bulles. Et il y a du sang qui coule de ma bouche. Pendant qu'une énorme plaie béante s'ouvre sur ma gorge, et il y a du sang qui coule partout. Très bien. Et on voit passer rapidement quelque chose sur ma gorge qui la tranche. Eh bien, Dawn est donc la première à y passer. Hop, alors attends, juste. Hop, les voilà. Donc, là on va basculer maintenant dans l'autre partie du jeu, à savoir que la chasse a commencé, si je puis dire. Désormais, il va y avoir des morts. Les morts, de leur côté, vont être les scénaristes du tueur, et vont pouvoir prendre possession du tueur, selon leur envie, au bout d'un timer que vous voyez s'être affiché sur l'écran. Ce timer est de 10 minutes. Nous revenons à une situation un peu plus calme, de suspense, mais au cours duquel eh bien, ce timer s'écoule. Au bout des 10 minutes, Diraen pourra reprendre le contrôle de la narration lors d'une scène pour amener le tueur à agir contre les joueurs. Donc, de ton côté, toi tu y es passé, je vais te demander du coup de me fournir dans la fiche du tueur que je vais afficher à l'écran, de me donner 3 éléments de cette fiche. Tu peux les écrire dans le Discord. Comme ça les autres ne sont pas au courant. Pour là, vous autres, eh bien, j'ai un peu de temps pour réfléchir. Oui, c'est bon. tu as un peu de temps pour réfléchir. Hein. De toute façon, au bout des 10 minutes, t'es pas obligé d'intervenir tout de suite. Voilà, tu interviens quand tu veux. Vous autres, il est centralien et de gauche, donc ça va être le pire ennemi de. Vous autres de votre côté, eh bien, Brian, toi, tu étais en train de partir et. Au moment où t'es en train de partir, t'entends... Juste Diraen, si tu peux mute le temps que tu tapes sur ton clavier. Parce que du coup on t'entend. Merci. Brian, pendant que tu étais en train de partir, à un moment donné, tu as entendu un début de cri derrière. Et puis ça s'est très vite arrêté. Tu étais déjà dans les escaliers en train de redescendre. T'avais pris avec toi... t'avais gardé avec toi les morceaux de bois peut-être que t'avais pris, ou tu vas les récupérer, je ne sais pas. Si j'entends crier, je vais remonter quand même. Ok. À l'origine du... Et du coup, je vais probablement tomber nez à nez avec Dawn. Bah, c'est ce à quoi tu t'attends, parce que tu remontes et tu regardes dans le couloir et tu ne la vois pas. Eh ben, je vais directement faire demi-tour. Je vais retourner voir les autres. Je vais faire un... Dawn a disparu. Je l'ai vraiment cherchée partout. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas venue, elle est pas revenue par ici. Non. Après, elle est peut-être partie. Hein. De toute façon, elle n'avait pas envie d'être là depuis le début. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. En fait, elle pourrit l'ambiance depuis qu'on est arrivé. Hein. C'est ça, ouais. Et pourtant, Denis est là. Quoi? Bon, à part ça, non, enfin, moi je sors juste, je passe la tête dans le couloir et puis je crie assez fort. Dawn, soit tu reviens à la cafétéria, soit tu peux rentrer chez toi, mais à un moment donné, c'est pas drôle. Non, mais on est obligé d'aller la chercher parce qu'on devait rester tous les 5 jusqu'à l'aube et si on le fait pas, eh ben, on va perdre le challenge. Donc on va aller la trouver, hein. De toute façon, elle doit être dans un coin en train de rouler une vieille cigarette pourrie, écrire des poèmes sur les corbeaux et la mort. Est-ce qu'on a absolument besoin d'être 5 pour faire ce challenge? Bah non, prenons chacun l'étage, ce sera beaucoup plus rapide. Alors que les corbeaux, c'est totalement inintéressant. Le seul oiseau qui vaille, c'est l'aigle d'Amérique. T'as tout à fait raison, bébé. Ok. Si vous voulez aller chercher... On peut peut-être faire des groupes de 1, mais un groupe de 2 pour protéger les petites filles. Denis, je viens avec toi, Denis. Bah... Ah ouais, allez. Ça marche. Non, j'ai dit Denis d'abord, Kirsty. Ah. Quoi? Bah, j'ai envie de partir avec Denis. Ah bah, je l'ai dit avant toi, enfin, je pensais que t'avais envie d'aller avec Brian. C'est bon, Brian, je le vois tous les jours, d'accord? Enfin, si ça dérange pas Brian, bon, je sais pas. Oh, bébé, elle fait ce qu'elle veut. Brian était une humaniste, d'accord? Brian comprend. Allez, viens, Denis, on va aller trouver l'autre connasse. Bon, on se retrouve tout à l'heure, Kirsty. Elle le prend par le bras pour partir dans le couloir. Bah, à tout à l'heure, Kirsty. À tout à l'heure. Tu voulais que je te protège, Tammy? Non, j'ai juste envie de te faire ta connaissance parce que je suis quelqu'un qui adore les gens. Je suis un people person, d'accord? Ça se voit. Merci. Et justement, on va continuer avec Tammy et Denis. Vous êtes partis dans quelle direction, de votre côté? On est d'accord qu'il nous a donné aucune indication vers où avait disparu Dawn? Absolument pas. Aucune indication, vraiment aucune. Denis, je te laisse deviner, comme ça si on se perd, c'est ta faute. Alors, bah moi sur mon carnet, j'ai noté le plan. À l'étage, il y a, je crois qu'il y a un théâtre. Ah, trop bien, j'adore le cinéma. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Bien, on y va. Ouais, d'accord. D'accord, donc vers l'étage, vous partez en direction du cinéma. Du théâtre. Du théâtre, pardon. La même chose, mais avec des plus belles images. Excusez-moi, je me fais perturber par... Ok, très bien. Évidemment, Tammy s'arrête devant absolument tout ce qui peut ressembler à un miroir pour regarder, pour remettre son petit shorty, pour se remettre les seins, pour remettre les cheveux, etc. Évidemment. Et en expliquant tout le long à Denis qu'elle rêve de devenir une star de cinéma comme sa grand-tante. Mais c'est bizarre quand même, tous ces miroirs, ils sont brisés. Comme si quelqu'un avait tapé dessus. Parce que tout ici est vieux et moche, comme moi je ne serai jamais. Alors c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais d'accord. Si, c'est comme ça que ça marche. J'ai vu ma grand-mère morte, je sais comment ça marche, Denis. Je connais les gens. D'accord. Et toi, Denis, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Si tu viens pas un loser, qu'est-ce que tu seras? Moi, on m'a toujours dit que si j'étudiais bien, je pouvais devenir tout ce que je voulais. Et ça marche? Je le serai qu'à la fin, après les études, quoi. Et t'as prévu de faire des longues études, Denis? Parce que ça commence à devenir difficile, là. Bah, 8 ou 10 ans, quoi, le minimum. Mais tu seras mort avant? Quoi? Mais pourquoi? Mais regarde-toi, Denis, tu es complètement inintéressant, personne ne t'aime, tu seras jeté sous un bus bien avant, il faut qu'il y ait quelque chose là qui change, c'est pas possible, Denis, il faut que tu penses à toi un petit peu. Ah, quelle pétasse! Elle est parfaite. La violence. J'avais pas pensé à ça. Ben oui, c'est pour ça que je suis là pour toi, Denis. Je pense aux choses, en fait. Je peux devenir ton ami, Denis, si tu veux. Merci, il va falloir juste tout changer. Merci, Tammy. Mais quoi, les lunettes? Ah, tu peux porter des lentilles, oui. Ah. Souris pour voir. Ne souris plus. On va changer ça aussi. Ok. Okay. Voilà. Mais c'est pas grave, je pense que si on change absolument tout et qu'on ne garde rien de ta personnalité, toi aussi tu peux devenir un vrai Américain. Comme Brian? Alors non, mais c'est bien d'y croire. D'accord, bah, j'y crois alors. Allez, viens, on va aller voir le cinéma. Le théâtre, d'accord. Donc vous êtes partis en direction du théâtre. Kirsty, Brian, de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je peux du coup, enfin, je sais un peu par où, où je l'ai perdu, donc. Bah oui, on peut y retourner. Elle doit bien dans le coin, ça se trouve, elle s'amuse à nous faire une blague, enfin voilà, des blagues pas drôles à la Dawn, quoi. Oui, sûrement. Si t'as peur, Kirsty, tu peux rester contre moi. T'inquiète pas, je te protège. Non, mais ça va aller. Ah. Voilà. Mais pas passe devant, hein. D'accord. Très bien. Je t'éclaire, hein. Je prends la lampe de poche, puis j'essaie de passer par-dessus ton épaule pour éclairer. J'y vais. J'essaye de garder contenance. Et puis de faire conversation pour un peu occuper mon esprit, pas rassurer de le cacher. Mais et sinon, Kirsty, compétition, ça se passe? Ah bah... T'es une battante, toi? Bah oui, on s'entraîne tous les jours après les cours. Hein, enfin, toi, tu sais ce que c'est. Hein, c'est vraiment un travail de longue haleine. Hein. Ouais. On commence à bien maîtriser la pyramide humaine. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, il faut juste pouvoir faire un salto en haut. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Bah, Jessie s'est cassé la jambe comme ça la semaine dernière. Donc, du coup, c'est moi qui vais m'y coller. Ah oui, mais toi, je suis sûr que t'es bien plus agile et bien plus souple. Ah bah ouais, c'est gentil, merci. Bon, ça drague sévère. Nous aussi, hein. Du coup, on va retourner dans tous les sens. Hein. Si Denis elle cherche, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. On va finir par retourner quand même dans la pièce en question. Du coup, nous parle. Ouais. Bah, okay. Du fait que je sache un peu par où c'est. Mais il s'est passé quoi en fait pour que tu perdes Dawn en fait Elle s'est figée. Elle a paniqué en voyant un porte-manteau qui tombait. C'était si drôle. Et puis j'ai voulu aller vous prévenir. Fallait que je vous raconte ça. C'était génial. Et puis après, je me suis dit, bon, allez. Non, quand même, je suis un mec sympa. Donc je dis, non, je vais pas aller raconter ces trucs gênants. Et je vais plutôt aller la chercher pour lui dire que tout va bien et puis la rassurer un peu. Non, vraiment, j'ai tout fait pour la retrouver. Je l'ai quand même cherché bien bien 4 minutes avant de redescendre. Moi, je tiens aux gens. Et puis, bah, la voyant pas, je suis venu vous voir, quoi. La pauvre, elle doit être paniquée. Bon, c'est un fait, elle est pas sympa, elle est un peu agressive, mais on va pas la laisser toute seule, donc bah, je sais pas. Mais si on parle là, on va l'appeler, elle doit pas être loin. Dawn. Pas de réponse. Arrête, franchement, c'est pas drôle. Allez, vas-y, sors maintenant. C'est bon, fais table rase, c'est bon, on est copines. T'inquiète. Donc là, vous êtes monté, vous êtes dans le couloir dans lequel tu l'avais abandonné. Ok. Pas de réponse. Aucune réponse. Ben, on va commencer à faire les portes, du coup, les pièces une par une. Ok. Bien vous. Mais est-ce qu'on est passé dans la salle où vous étiez avant? Non, on va finir par y arriver. Ils ont dû passer par l'autre côté. Okay. C'est un peu à l'opposé. Donc vous avancez, effectivement, et vous découvrez au fur et à mesure des chambres systématiquement. Pas le grand luxe, mais ça pouvait être potentiellement quelque chose d'assez confortable à l'époque. Aujourd'hui, par contre, ça a l'air d'être plutôt poussiéreux. Même si, bon, vous dites que dormir sur ces vieux matelas, bon, ça doit être dégueulasse, mais potentiellement plus agréable que de dormir à même le sol. On pourrait peut-être en redescendre tout à l'heure, on serait plus confo. Mais ouais, c'est pas mal ça. Bah ouais. Bon, bah continuons à fouiller, hein. Okay. On va faire les pièces de l'étage. Continuez une par une. Et on va revenir à vous juste après. On va d'abord retourner voir Tamiline et Denis Sarko. Tous les deux, vous arrivez en fait devant le théâtre. Voilà. Vous ouvrez ces deux portes battantes qui mènent dans le théâtre. Vous y découvrez un vieux théâtre à l'ancienne avec des sièges rouges, avec des rideaux rouges aussi sur les côtés de la scène. Et Denis, ça va pas t'aider dans ton explication que le théâtre et le cinéma c'est pas la même chose, parce qu'il y a un espèce de grand écran blanc qui est baissé sur la scène. Bah tu vois, je t'avais dit que c'était un cinéma. Mais c'est pas pareil. Après, c'est pas pareil. Il y a des chaises et il y a un écran blanc. C'est pas... oui. C'est la même chose. Oui. N'empêche, c'est du bon matériel hein, pour un sanatorium. Hein. C'est vrai, il devait regarder des jolies pièces. C'est ça l'Amérique, mettre tout l'argent de la santé mentale dans l'entertainment. Peut-être que Dawn, elle est dans les coulisses. Non, pourquoi elle irait dans les coulisses? La porte était fermée. Bah, elle est pas dans la grande salle. Bah je sais pas, on l'a pas appelée. Dawn, t'es là? D'un coup, en fait, vous voyez que... Alors, vous étiez quand même avec la lampe, mais quand vous êtes rentré dans ce théâtre, il y avait quelques néons aussi qui éclairaient faiblement l'endroit. Et d'un coup, vous savez pas pourquoi, au moment où vous gueulez « Dawn, t'es là !» Toutes les lumières s'éteignent. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se projette sur cette grande bâche blanche devant vous, qui vous éclate un peu la rétine. Et il y a un début de film en noir et blanc qui commence à se lancer. Ah, j'espère avec que c'est pas le bruit caractéristique du... Je suis pas venue pour apprendre des choses. Bah ça, c'est pas banal. Mais c'est quoi ce... Ah! Mais c'est des... Les corps, ils sont bizarres un peu quand même, hein. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est vraiment pas très beau. Non. Puis on dirait qu'il y a des outils bizarres aussi. Je sais pas, c'est peut-être le vlog d'un mécanicien, je sais pas, mais c'est quand même vraiment... Ah, mais c'est dégueulasse. Ah bah là, il fait de la mécanique sur des gens, là. Hein. Ah, mais c'est horrible. Ah oui, clairement, hein. Effectivement, ça a l'air d'être un film sur Frankenstein, un très vieux film sur Frankenstein. Ah oui, effectivement, oui, parce qu'ils collent des morceaux ensemble. C'est sous-titré en allemand. Y a rien de pire que des films d'horreur des films allemands. Un film européen. Et d'un coup, à un moment donné, le film s'arrête, mais il reste la lumière du projecteur sur l'écran blanc, comme s'il était en bout de bobine. Est-ce que ça veut dire qu'on voit nos ombres se projeter sur le truc blanc? Non, 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 parce que ça vient d'en haut. Mm-hmm. Vous êtes en bas. Et en revanche, arrive devant cet écran blanc, une espèce de grande silhouette noire avec une faucille. Regarde, c'est Brian derrière l'écran. C'est Brian, il est passé par il a dû vouloir faire du jardinage, il adore faire ça. Chérie, ouh, il a l'air un petit peu plus grand que Brian, hein, quand même. Mais non, hein. Il est beaucoup plus grand en vrai. Non. Et ça, je peux vous le dire. Brian, chérie, on est là. Il a dû trouver Dawn, elle doit être là-haut. Ça paraît bizarre qu'il se mette au jardinage à cette heure-ci, quand même. Ah, parce que tu le connais pas, c'est quelqu'un de vraiment passionné par plein de choses. Au moment où tu dis « Ouais, ça doit être Brian et tout », tu l'entends au loin qui est en train de gueuler « Dawn ! Dawn !» Et à ce moment-là, vous voyez qu'il lève sa faucille, qu'il la plante dans l'écran, et qu'il commence très doucement à déchirer l'écran. Et ça fait... Mais mon chéri, t'es con, tu pouvais contourner? Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Brian de l'autre côté. Mais non, je sais pas, peut-être que... Après, c'est quelqu'un qui va droit au but, alors peut-être qu'il a pas voulu contourner l'écran. À mon avis, c'est pas Brian. Moi, je commence à courir. Moi, je recule un peu quand même, je disais genre... Tu as quand même pas le laissé tout seul? Et la déchirure s'agrandit, 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 jusqu'à ce que... Il y ait une... Son membre, enfin son bras, traverse la déchirure, et là, vous voyez un moignon au bout duquel il y a une faucille et qui est tendue vers vous. Enfin, plutôt vers Tammy, parce que Donnie... Oui, moi, je tourne le dos, hein, je vois déjà... Une faucille, à tous les coups, c'est un communiste. Je fais deux tours et je commence à reculer en disant « Je suis désolée, mais moi, je suis américaine, je ne reste pas ici !» Et je poursuis Donnie. Ok. Est-ce que c'est la fin de la scène où tu souhaitais intervenir, Dawn? Enfin, Diraen? Ok. Ça marche. Je te remets ton timer, du coup. Joli. On en revient à Kirsty et Brian, du coup. Vous avancez, vous, dans les pièces, et vous cherchez toujours Dawn, jusqu'à arriver, eh bien, à la toute dernière pièce de cette rangée de chambres, pousser cette porte, et je laisse donc Diraen décrire la scène qu'il découvre là. Du coup, vous rentrez dans la pièce qui est complètement vide. Il y a juste une énorme mare de sang, mais rien d'autre. Mais c'est une grande, grande, grande mare de sang. Ok. Dans ce cas, vu que le corps n'est pas là, quand tu décideras que le corps est trouvé, je te laisserai prendre le pas sur la narration pour l'annoncer. Ça marche. Je plante mes ongles manucurés dans le bras de Brian. Oh mon Dieu, Brian, qu'est-ce que c'est? Le sang qui perle quand même sur ton... Enfin, ça t'a laissé des belles traces rouges et t'as un peu de sang qui perle là où les ongles s'étaient posés. Elle s'est peut-être un petit peu coupée sur le bord de la fenêtre. Un peu? Mais il y a genre au moins 50 litres, là. Tu dis n'importe quoi, Kirsty. Tu sais très bien que dans le corps d'un être humain, il peut pas y avoir 50 litres. Il y a beaucoup. Dawn? Tu sais, un jour, je suis tombé... je me suis fait plaquer violemment à un entraînement de football. Moi aussi, j'ai saigné. Ça peut impressionner, mais il faut pas te laisser décompenser. Ok, il y en avait un peu moins que là, mais... Si elle était blessée grièvement, elle serait toujours là. Si elle est plus là, c'est qu'elle peut marcher. Donc c'est pas si grave. C'est pas con ce que tu dis, effectivement. Oui, non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Je vais me reprendre, tout va bien, elle s'est fait mal, doit être quelque part, il faut juste qu'on la retrouve, hein, c'est tout. Tu sais, si un jour tu veux... Avoir un poste de leader, il faut savoir garder la tête froide. C'est comme ça qu'on avance en Amérique. Oui, non, mais moi, j'ai pas ce genre de prétention, hein, tu sais. Je pense que tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois, Kirsty. Et confiance en toi. Tu le montres déjà en tant que cheerleader. Tu prends les dessous, tu vas de l'avant. Je vois bien. T'as pas peur, là, de remplacer celle qui s'est cassée la jambe. Regarde, t'as fait un bandage à Denis quand il allait pas bien. Tu es capable d'agir. Parce qu'il fallait aider. Et puis là, c'était pour aider l'équipe, c'est pas pareil. C'est de l'initiative, c'est ça qui fait avancer les choses. Et confiance en toi un peu. Ok. Allez, c'est sûrement pas grand-chose, elle doit plus être très loin. Elle doit chercher une pharmacie ou un petit truc comme ça. Vous revenez dans le couloir et vous voyez ce couloir qui s'étend au fond et en fait au moment où vous sortez de la pièce, vous voyez Denis qui court dans votre sens, qui est à en perdre haleine complètement. Mais Denis, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'arrive en courant devant eux, je me rétame la gueule par terre. Directement. Ok. Voilà, il faut être solide sur tes appuis, Denis. Le cardio, respire. Hein? J'ai cru sur 3 mètres, c'est pour ça que je suis... Ah ouais. Ma ventoline. Et là, tandis que tu prends ta ventoline et que tu regardes, tu vois la grosse mare de sang en plus derrière eux, tu vois. Calme-toi, Denis. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ça va bien se passer. Il galère tellement, au bout d'un moment, vous voyez Tammy derrière qui se met aussi à courir en hurlant de son côté. Denis! Espèce de salopard! J'arrive, espèce d'enfant de gauchiste! J'arrive pas à croire que tu m'as laissé avec un intermittent du spectacle! Du coup, je pousse Denis sans ménagement. Oh bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a laissé toute paniquée. Seul avec le fou qui a une faucille et qui casse des écrans parce qu'il n'a pas eu de carrière dans le cinéma. C'est un salaud, Denis. Une faucille? Sûrement un critique. Qu'est-ce que tu disais? Il m'a laissé tout seul, bébé. Il m'a abandonné. Il est parti après moi. Il a oublié que c'était la chevalerie qui avait monté l'Amérique. Denis, on ne laisse pas bébé dans un coin. Bravo, pour avoir sorti ça. C'est pas grave, Tammy. Tu sais, aie confiance en toi, même sans lui, je suis sûr que tu te serais tiré de ce mauvais pas. Ah, mais je suis sûr, parce qu'en plus, s'il était là et qu'il avait pas bougé, je l'aurais balancé. Mais puisqu'il est parti d'abord... Où sont passés les femmes et les enfants d'abord, d'accord? Tu crois que c'est avec cette attitude qu'ils ont sauvé le Titanic, Denis? Non mais... Je cherchais le chemin, quoi. Bah c'est ça, t'as trouvé le chemin. Non mais attends, tu vois pas qu'il est dans tous ses états? Non mais calme-toi, Tammy, ça va bien se passer. Excuse-moi, il est dans tous ses états. Est-ce que t'as vu l'état de mes pompes? De mes pompes, Kirsty. On ira bien du shopping, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un homme qui casse des écrans et Denis m'abandonne. Et c'est pas grave. Non mais Tammy, temps mort, c'est quoi cette histoire de faucille et d'écran et d'intermittent du spectacle? Parce que là j'ai de la peine à suivre tout le monde, hein. Bah Denis, puisque t'arrives à parler, t'as qu'à raconter. Oh bébé, c'était horrible. Je me jette dans les bras de Brian. Moi aussi je me jette dans les bras de Brian. Je tourne le dos à Denis du coup. Je m'accroche à toi quand même. Dis-moi tout, bébé, qu'est-ce qui t'a fait? Bah, il m'a rien fait du coup parce que j'ai réussi à courir très vite. Mais on était dans un cinéma, que d'ailleurs Denis continue à dire que c'était un théâtre. À mon avis, il va pas souvent au théâtre. Et puis d'un coup, il y a eu un film et c'était un film horrible parce qu'en plus, c'était un film européen. C'était même pas Michael Bay qui l'avait produit. Et puis on voyait des trucs horribles avec des gens qui subissaient des expériences. Et puis d'un coup, le gars, il a cassé l'écran avec sa faucille alors qu'il aurait pu contourner. Donc non seulement il est dangereux, mais en plus, il est stupide. Mais il y avait des couleurs au moins dans ce film? Non, c'était du noir et blanc, je t'ai dit. Oh mon dieu! On aurait presque dit un documentaire. Et comment on peut voir le drapeau de l'Amérique en noir et blanc? Ce bleu, ce rouge. C'est ce que j'ai pensé. Quelle tristesse. Oh bébé, c'est le moins fort, j'ai trop peur. Denis, qu'est-ce qui s'est passé? Je compte sur toi pour comprendre. Bisous. Parce que là, alors, je suis larguée. On est rentré dans le théâtre, mais il y avait un écran dans le théâtre. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ils ont projeté un film. C'était Frankenstein. Oui. Et après, il y a un grand monsieur. Il était chien avec toile. Il avait pas de bras, mais il a une faucille à la place de la main. Mais c'est dégoûtant. Mais ça fait peur. Surtout. Plus qu'une araignée. Attends. Faucille. Marre de sang. Donne. Faut absolument qu'on la retrouve. Là, je commence à paniquer. T'as raison, toi aussi, t'as peur qu'il soit communiste. Peut-être, mais là n'est pas le propos. Ah bon? Mais c'est toujours le propos. C'est pas très américain comme attitude, Kirsty. Pas... Non, mais là, il y a un cas de force majeure. Attends, regarde cette plaque de sang, là. Vous avez tué un rat? Un gros rat. Une faucille, c'est fait pour le jardinage. Elle était à l'étage, ça n'a aucun sens. Si encore on avait trouvé du sang dans le jardin, ça aurait pu être lié à une faucille, mais là, ça peut pas être ça. Brian. Ça doit être avec un coupe-papier, éventuellement, on est dans un bureau. Alors tu te rappelles que dans le jardin... à la recherche d'une arme. Si ça se trouve, elle est hémophile et on n'en sait rien. Tu peux faire un test de mental, si tu veux, Kirsty, ou de chance pour trouver objet, selon ce que comment tu veux le faire. Je pense que là, j'ai pas tous mes esprits, donc ça va être plutôt petit bonheur la chance. Pendant ce temps-là, il y a Tammy qui secoue Donnie qui fait « Mais calme-toi, mais pourquoi t'es pas calme ?» Si tu as trouvé objet dans tes compétences, tu peux avoir l'avantage pour ça. Brian, de ton côté, toi, tu te rappelles qu'en arrivant, vous avez traversé quand même un jardin pour arriver dans ce sanatorium. Et dans ce jardin, tu te rappelles avoir vu une cabane de gardiens où tu te dis que potentiellement il doit y avoir des outils là-dedans aussi. J'ai fait 53 sur 60. 53 sur 60, donc c'est réussi. Tu trouves effectivement une arme. Que trouves-tu? Bonne question. Est-ce que c'était une arme parce que tu cherchais l'origine du sang ou tu cherchais une arme pour te protéger? Non, pour me défendre. D'accord. N'importe quoi. Très bien. Vu là où on se trouve, je pense que ça va être plutôt un truc type outil. Ouais, ou sinon ça peut être une barre de lit. Tu sais, une espèce de barre en métal qui est une barre de lit. Voilà, tu peux trouver ça. Ah ouais. Ok, bah très bien, une barre de lit, c'est parfait. Un bon petit coup de basket dessus pour finir de la faire céder. Hop. Mais enfin, Kirsty, c'est pas le moment de faire de la pole dance. Non mais imagine si ton espèce de capitaine crochet là avec sa faucille revient. Faut bien qu'on puisse se défendre. Mais on n'a pas besoin de se défendre, on a Brian. Et j'ai ma batte de baseball. Passe devant. Retournons dans la salle. J'ai toujours ma batte dans mon sac de sport. Dans mon sac, j'ai de la bombe à laquer. Ça fait super mal dans les yeux. Une fois, j'en ai mis dans les yeux du chat de ma mère. Oui, ça peut piquer, ça, c'est vrai. C'est vrai. Bah, oui. La péta en sueur. Mais ça sent bon. Tes cheveux sentent si bon, bébé. Merci, chérie. Ah, pardon, c'est pas le... Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être on peut marcher dans le sang. Et on marche à l'envers. Et comme ça, on brouille les pistes. Fais donc ça. Est-ce que t'es intelligent? Je te laisse, mais moi mes chaussures sont neuves. Mais j'allais dire... Bah moi je commence à marcher dedans comme ça. Tu vas pas dans la voiture quand on repart, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Oh bah non, faut m'emmener. Hein. Ah bah pas avec les chaussures dégueulasses comme ça. Moi, je trouve ça extrêmement futé, je fais comme toi, je te copie. Voilà, puis je remarche en arrière comme ça, tout le temps. T'es plus habile qu'on pourrait croire, hein. On dirait ce français là. On a tous, c'est l'intelligence. Avec le maquillage blanc qui fait semblant d'être dans un cube. Zinedine Zidane. Tu veux dire un mime? Ça doit être ça. Moi j'attrape le bras de Brian en mode on se sépare plus maintenant, bébé. Alors attendez juste. Du coup, et soudain vous entendez un coup sourd qui résonne dans toute la tuyauterie du bâtiment. Oh, il est dans les tuyaux. Suivi d'un autre coup. Et en fait, ça se reproduit très régulièrement et ça a l'air de venir du rez-de-chaussée. Brian passe devant. Bah non, parce que du coup, comme je suis avec lui, ça veut dire que je passe devant. Mais je disais rien, lui, comme ça, t'es pas tout devant. Diraen, c'est ton intervention en tant que tueur ou pas du coup là que tu fais? C'est ce que je t'ai mis dans le chat. Ok, ça marche. Donc je ne déclenche pas ton action de tueur. Allons-y, c'est sûrement la tuyauterie dans ces vieux machins. C'est ça, c'est la chaudière. C'est peut-être Dawn qui s'est cognée dans un truc, elle est peut-être en bas. C'est ça, elle est pas très très douée en plus. Je l'ai vue une fois danser, j'avais l'impression qu'elle faisait une crise d'épilepsie, mais elle m'a dit que c'était de la musique goth. Nous, on suit en marchant en arrière. On marche en arrière, on les suit, mais de loin. Faites-moi attention de pas prendre un mur quand même. Un petit test de physique pour savoir si vous cassez la gueule dans les escaliers, parce que marcher en arrière dans les escaliers. C'est ça les moonwalks de l'enfer. Moonwalk, quoi. Oh. Ah non, c'est raté, c'est 27. 27 pour 20, c'est ça toi? Pour 20, ouais. Ok. Kirsty? Alors, moi c'est 27, mais pour 40. Ok, donc Kirsty y arrive super bien. Dawn, à un moment donné, Denis, toi de ton côté, à un moment donné, tu regardais Kirsty en disant waouh, elle est quand même vachement bien gaulée, et tu te casses la gueule. Et je retombe par terre. Est-ce que je peux exploiter mes super compétences agiles de cheerleader pour essayer d'éviter qu'il se casse vraiment trop fort la gueule, mais essayer d'intervenir le truc? Oui, okay. Oui, ça marche, pas de souci. Vous descendez du coup. Et donc, plus ou moins en bon état, vous arrivez au rez-de-chaussée et les bruits semblent venir du bout du couloir dans lequel se trouve la cuisine. Est-ce qu'il y a un truc éventuellement que je peux trouver en bas de l'escalier au niveau des meubles pour essayer de faire justement une arme aussi, vu que j'ai pas pu aller récupérer ma super lac à cheveux? Et qu'une de mes capacités, c'est de trouver des objets. Tu peux faire un jet de... tu peux faire un jet de chance pour trouver ça. Ouh, oui. Donc moi, j'ai 60. Avec avantage, du coup, si tu utilises ta capacité. Eh ben, écoute, 57. Tu trouves? Je pense que Tamiline prendra peut-être pas forcément un truc métallique parce que la rouille, c'est pas bon pour les maladies. Par contre, ouais, pareil, si elle trouve un pied de chaise ou alors un petit truc genre un... Si elle trouve un machin pas trop rouillé, éventuellement, elle le prendra en disant « T'as vu, bébé? T'as vu ce que je sais faire ?» C'est bien, c'est bien. Je sais que tu sais réagir à toutes les situations. Allons voir d'où ça vient, hein? Ça me semble sûrement la chose à faire. Si on allait plutôt dans l'autre sens. Pourquoi faire? T'as peur, Denis? Oh, Denis, il a peur. Denis, ce bruit est excessivement pénible. Il faut bien, si on veut passer une soirée un peu tranquille, bien qu'on arrête ce bruit là. C'est agaçant. Denis, rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux être tout ce que tu veux. Faut que t'arrêtes d'avoir peur. Je suis un winner. C'est ça, t'es un winner. Enfin, je suis un winner. Et t'es un winner. Allez. Suis-moi, Denis, prends exemple. Je suis Brian. Vas-y, bébé, montre-lui. Bombe le torse. Lève le menton. Sois fier, sois fort. Comme ça? On y va. C'est ça, Denis. Lâche rien. Un peu moins gargouille quand même. Alors regarde où tu vas quand même. Comment je marche? Ah, ok, parce que j'ai encore... Alors... Du coup, est-ce que vous pouvez me donner l'ordre dans lequel vous marchez? C'est moi le premier. Donnie, je pense, Tammy et Kirsty, non? Ok. Moi, je suis collée derrière. Donnie, je vais y arriver. D'accord. Donc, du coup, je suis en biais de Brian. On est une espèce de losange. J'avance très nonchalamment en regardant souvent derrière moi. En plus, en regardant si Donnie bombe le torse et puis en faisant des petits clins d'œil mais qui ne sont pas perçus vu que j'ai toujours mes lunettes de soleil. J'essaie de regarder un peu Tammy. Ok. Quand vous êtes rendu à la moitié du couloir, les bruits s'arrêtent. Et Tammy, à ce moment-là, tu marches et sous ta chaussure, ça fait... Ah, c'est un rat. Tu viens de marcher dans... du reste de spam de cornet de bif qui a coulé par terre et qui est en une traînée qui semble se diriger vers la cuisine. Ah, on dirait qu'il y a un raton laveur qui a perdu les os là-dedans, ça pue! Qu'est-ce que c'est, ça? N'y va pas, chérie, c'est sûrement sale. Laissez-moi, je vais aller regarder. Si c'est des trucs un peu dégueux, c'est pas pour ta grande sensibilité. Et pas pour celle de Denis non plus. T'as raison, il faut penser à Denis dans cette histoire. Oui, je... Ouais. T'as vu comment il est humaniste? Qu'est-ce qu'il est beau de dos. Ok, donc Brian, tu te diriges tout seul vers la cuisine? J'y vais, bougez pas, je reviens. Je prends mon briquet, mon petit zippo. Vas-y, Brian. J'allume pour éclairer. Moi, je protège les filles. Ok. Je compte sur toi, Denis. Mais t'approches pas trop. M'en occupe. La cuisine est entièrement plongée dans le noir et il y a juste un mince filet lumineux qui éclaire faiblement la pièce et qui semble venir du frigidaire. Ah là là. L'électricité, hein. Si on ferme passer par... Bon, bah, je vais voir immédiatement. Du coup, j'ouvre soudainement, en m'attendant à pas grand-chose. La porte du frigo, comme si j'étais à la maison. En face de toi, le corps de Dawn, suspendu à un crochet de boucher. Le crochet lui ressort par la bouche. Et il y a quelques gouttes de sang qui gouttent au fond du frigidaire. Elle a les yeux grands ouverts. C'est là-dessus que nous allons faire notre pause. Oh. Ah. C'est terrible de faire ça maintenant. Ah, ce cliffhanger. Oui. Le cliffhanger. Oh, il a fait un cliffhanger. Et vous êtes de retour sur donc ce live spécial Halloween et slasher pour la chaîne Les Dés sont Jetés, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée, mais ce soir un peu les joueurs aussi parce que ils décident quand même de pas mal de choses dans ce slasher et notamment quand ils sont morts. Et on l'a vu lors de la dernière scène qui nous a été offerte par Diraen. En direct pour Brian, qui a découvert dans le vieux frigo du sanatorium le corps accroché à un crochet de boucher de Dawn Monroe. Et tout de suite, je vais redonner la parole à Brian, qui va nous décrire ce qu'il fait suite à cette découverte macabre. Suite à ça, sous le choc malgré l'horreur de la scène et l'état évident de Dawn, je peux pas m'empêcher de la secouer, d'appeler à l'aide alors qu'il y a un croc de boucher qui sort de sa bouche. Et le problème, c'est qu'il y a... Bah, certes, elle est donc plantée, mais en plus, comme elle a été égorgée, ça commence à se séparer, puisque je la secoue. Et voyant ça, je me recule et je cherche la première casserole, le premier évier, pour vomir littéralement toutes les bières que j'ai bu, hein, accessoirement, hein, parce qu'on a fait un début de soirée. Sobre, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment la tête dans une, je sais pas, une grosse marmite ou un truc comme ça, faisant des bruits horribles que je ne vais pas faire ici pour les éventuels les oreilles sensibles. Pour lui tenir les cheveux, il l'a fait pour elle tellement de fois. Il faut que ça sorte, mon chéri. Je comprends. Imagine que tu as un shooting photo demain. Et du coup, je lui montre parce qu'en fait, elle a foncé tellement vite vers moi qu'elle n'a pas vu le frigo. Je sais que la nourriture, c'est répugnant, je me dis ça tous les jours aussi, mais concentre-toi sur ce que tu vomis. Je jette un œil au frigo pour comprendre ce qu'il a mis dans cet état. Ah, Denis, c'est affreux! Non! Et je me jette dans ses bras. Denis, oh, c'est affreux, j'ai pas vu, hein. C'est affreux. Denis, il est partagé entre le qu'est-ce qu'elle a vu qui doit être affreux et le oh là là. Non. Sidéré un peu. Tout à fait. Tamiline, elle finit par regarder ce qui se passe dans le frigo et se mettre devant. Et évidemment, elle pousse d'abord un cri que je ne vais pas faire, même si je sais le faire pour le respect des oreilles des auditeurs. Et tout de suite, elle s'exclame : c'est vraiment Dawn, ça. Elle fait tout pour attirer l'attention, hein. Fallait que ce soit elle à qui il arrive un truc ce soir et qui gâche la soirée. Ok. Mais vous l'avez retrouvé du coup? Je commence à redresser la tête. C'est pas ta faute, bébé. Denis, regarde. Et du coup, je regarde dans le frigo. Ouais. Et je vomis aussi à mon tour. Forcément, bah, Tamiline se sent pas très bien aussi, parce qu'il y a quand même deux personnes qui vomissent. Mais... pourquoi elle est toute Donc, du coup, elle va se mettre dans un coin aussi pour vomir. Allez! Non, je tiendrai, je veux pas vomir comme tout le monde. Subir cette pression sociale, Kirsty, fait comme tout le monde. Vous... Bon, vous repérez tout en vomissant. Tammy, toi, tu t'es mis un petit peu à l'écart pour vomir. Et tu repères que la porte arrière de la cuisine, qui mène directement dehors, est entrouverte. C'est ouvert ici. Il y a la porte qui est ouverte derrière. Ça veut dire qu'il est parti? Comment ça, il? Vous pensez qu'elle s'est pas mise toute seule dans le frigo? Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Mais ça se trouve, elle a juste glissé parce que c'était ouvert et que le frigo était décongelé. Elle a glissé dessus, puis il y avait un crochet dedans et elle s'est empalée dedans. Je suis pas sûr, non. Plutôt, oui, c'est plutôt le... Il y a des gens qui n'ont pas de chance, hein, mais là, écoute, ça me paraît peu probable. T'as raison, chérie. En plus, t'as fait du Cluedo pendant des années en association, donc si tu trouves que c'est bizarre, c'est que ça doit être bizarre. Je vais te faire dire, on peut avoir le réveil qui tombe en panne le jour du Black Friday, mais on peut difficilement glisser comme ça sur un croc de boucher. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis, bébé. Ah, oui. Bon, cette porte, on va peut-être... S'il y a quelqu'un... Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas partir, on va pas se laisser décourager. Ok, c'est dramatique. Mais c'est dans l'adversité qu'on a forgé l'Amérique. Et on est des Américains. Tu pourrais recevoir la clé de la ville. Si j'attrape le tueur, je serais peut-être une légende. Vous entendez un téléphone qui sonne dans le hall, a priori. C'est ton intervention, du coup. Denis, va donc voir qui nous appelle. Oui. Moi, je surveille la porte. Ce serait et le mort. De pas décrocher. Attends, je viens avec toi. Tu vas pas tout seul. Ok, je préfère. Enfin, c'est bien que tu m'accompagnes. Ok, bah, je retourne là-bas et je décroche le combiné, je le colle, enfin, j'essaye de le maintenir sur mon oreille. Bonsoir, Denis. Ah, vous connaissez mon prénom? Alors, tu passes une bonne soirée? C'est pas génial, c'est pas fou. Tu es le prochain. Oh, mais pourquoi moi? Et ça raccroche. Ah non, il a raccroché. Okay. C'était qui? Je sais pas, c'était le crochet. Oh. Il a dit c'est le prochain, c'était moi. Alors ça, jamais, je m'y refuse. Non, tu sais quoi, on se barre d'ici. Franchement, on se casse. Oui. C'est trop chelou. Oui. On part pas. On va chercher les autres et on se barre. Ah, on va chercher les autres. D'accord. On va retrouver Brian. Ok. Vous redirigez vers la cuisine. Et... Attends. Oui. Non. Il y a un téléphone qui marche, là. On va appeler la police. Ah oui. Ah oui, la police. Il y a un corps, on va appeler la police. C'est bien la police, oui. 911. Et étonnamment, en fait, maintenant, il n'y a plus de tonalité. On se casse. Là, vous repartez en direction de la cuisine, c'est ça? Bon, oui. Ouais, l'idée, c'est de les récupérer puis de se carapater. Ok. Tandis que vous allez en direction de la cuisine, vous entendez un bruit qui semble venir du sous-sol. Ouais mais non, hein. Non. Brian, Tammy, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait pendant qu'ils étaient au téléphone? Tammy, déjà, elle était devant le frigo avec son espèce de truc de cheminée en mode « Si tu bouges le corps, je te tue !» Et elle a complètement ignoré évidemment la porte. Et puis elle a évidemment rassuré son pauvre chéri en lui disant que personne ne l'avait vu vomir. Et que même là encore, il a vomi le premier, donc il a trouvé moyen de les surpasser tous. Moi, j'ai plutôt la tête vers l'extérieur. J'ai franchi le pas de la porte. Et j'essaye de guetter. Forcément. Ok. Très bien. Si je repère un bruit. Tu guettes et tu vois qu'il y a l'air d'y avoir une faible lueur dans la cabane du jardinier. Oh, il est là, le salaud. C'est le moment de briller. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un vrai Américain à ce communiste intermittent du spectacle. Il connaît pas Brian. Bah, clairement, il connaît pas Brian. Mais qu'est-ce qu'on fait? On surveille le corps ou pas? Écoute, bébé, le corps a pas bougé. On sait pas. Ça se trouve, c'est elle depuis le début. Elle fait peut-être semblant qu'elle est morte. Et je tapote le corps de Dawn avec le truc. T'es morte, Dawn, ou t'es pas morte? Si t'es morte, ne fais rien. Elle ne répond pas et elle oscille d'une manière lugubre. C'est confirmé, elle est morte. Très bien. J'y vais. T'y vas tout seul ou il faut que je reste ici? Reste ici, bébé, c'est plus prudent. T'as raison. Vraiment, elle se précipite sur lui en mode autant on porte le vent, genre reviens-moi vite. Quand je serai un héros, quand j'aurai les clés de la ville, on partira un week-end tous les deux. On passera un moment inoubliable et différemment de ce soir. Reviens-moi vite, mon chéri. Et j'avance, du coup, vers cette cabane. Et à partir du moment où elle n'est plus dans mon champ de vision, je commence à y aller un peu plus discrètement. Ah oui. Là, ça y est, il flippe, quoi. Ouais, je me cache un peu, genre prudent, stratège. Un peu, à la fois un peu flippé et un peu rationnel, quand même, aussi, oui. De se dire. Donc, je vais essayer, s'il y a... Il y a une petite fenêtre ou un truc comme ça par le... au cabanon ou c'est juste un cabanon avec une porte? Ouais, si, il y a une petite fenêtre vu que du coup tu as réussi à voir cette lumière, cette lueur. Bah, je vais aller essayer de regarder par cette petite fenêtre un peu en restant caché habilement. Ok, ça marche. Sachant que j'ai ce cachet dans mes habiles compétences de... Très bien, mais je t'invite à faire un test de chance associé à ce cachet pour... Eh bien, avec l'avantage, j'ai fait 29 et 51, mais je vais prendre le 51. J'aurais donc raté. D'accord. Raté ma chance. Au moment où tu t'approches, en fait, tu penses être plutôt discret. Et en fait, au moment où tu t'approches de cette fenêtre, tu te prends les pieds dans un outil qui est au sol. Je te laisse définir cet outil. Ben c'était un râteau à l'envers. On sait qu'il faut jamais poser un râteau à l'envers. Okay. Je me prends donc les pieds dessus et on connaît le sketch. Hein, le râteau vient me frapper l'arcade. Fait tomber mes lunettes de soleil et m'ouvre. Oh putain, les intermittents qui savent même pas prendre soin de leur matériel. Foutu jardinier. Des années que c'est là et je suis le premier à marcher dessus, je suis sûr. Ah, et je commence à saigner vraiment de l'arcade. Du coup, je m'essuie, puis je m'appuie sur la cabane. Ah, saloperie. Du coup, j'ai eu la main ensanglantée qui vient faire une empreinte comme on peut, on peut imaginer. Et du coup, ça trouble un peu ma vision en plus. Donc j'essaye quand même de regarder par cette fenêtre. Tu regardes par la fenêtre. Et au moment où tu essayes de faire un petit peu le jour pour y voir un peu plus clair, tu vois les clés d'une voiture. J'y vois personne du coup dans cette... Non, tu vois juste la petite loupiote et un établi avec différents outils étalés dessus et voilà. J'oublie toute notion de prudence. Brian ouvre la porte et essaye de rentrer rapidement, prendre les clés en tournant le dos à l'entrée et en ne regardant pas du tout ce qu'il peut y avoir éventuellement comme piège ou autre chose. Okay. Obnubilé par les clics. Parce que là, on lui a... ça fait 2 fois qu'il se blesse sur son magnifique visage. Ça fait 2 fois de trop. Gâche la marchandise. Eh bien, pas de piège. Tu rentres là-dedans et tu attrapes cette... ouais, ce jeu de clés qui a l'air d'être... tu sais, c'est un jeu de clés très à l'ancienne. Hein. Il n'y a pas d'ouverture centralisée. Il faut, faut mettre la clé dans, dans la serrure pour ouvrir. Et tu vois que ça a l'air d'être une clé d'une vieille, vieille voiture, quoi. D'une marque américaine que je te laisse décider. Ce sera donc une vieille Cadillac, comme on dit. D'accord. Je vais continuer quand même un peu à fouiller dans cette cabane. Je sais pas s'il y a des meubles, s'il y a des placards, des tiroirs, des choses. Il y a quelques tiroirs, effectivement. Je vais voir s'il n'y a pas éventuellement de quoi arrêter le saignement. Ouais. Je t'invite à faire un test de chance. Ce sera un 67 et c'est donc un échec. 67 c'est un échec, non, tu ne trouves pas. Alors du coup, je déchire mon t-shirt. Je suis même pas là pour regarder. Et du coup, okay. Le torse imberbe et musclé de Brian brille sous la loupiote du cabanon de jardin. Et dans ce cas-là, dans le noir, à moitié, avec un œil qui voit mal, je vais retourner sur mes pas. Ok. Et bah, pendant ce temps-là, vous autres, vous êtes arrivés... Vous arrivez un peu dans la direction de la cuisine, mais sur la route, il y a, enfin sur ce chemin-là, il y a un truc qui vous interpelle. Vous entendez un bruit dans la salle où il y a l'espèce de bassin avec l'eau croupie et les différentes baignoires qui étaient donc sur la route pour rejoindre la cuisine. Et vous entendez comme un bruit répétitif, un peu sourd, encore une fois, comme ce que vous aviez entendu au niveau des canalisations, et il faut pas aller dans ce sens-là. Faut vrai qu'on évite, parce que par là, il y a des grenouilles. Je suis assez d'accord, on n'y va pas. Hein. On attend que Brian y revienne, oui. Et puis on avise. Oui. Vaut mieux attendre Brian, c'est mieux. Ok. On le voit par la fenêtre d'ailleurs, on peut jeter un œil. Vous êtes où là du coup en train de regarder? Dans l'entrée toujours? On n'était pas revenu dans la cuisine? Non, vous étiez en train de revenir dans la cuisine quand vous avez entendu ces bruits. Ouais, non, du coup on ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'on fait? On les retrouve dans la cuisine ou... on peut retourner dans la cuisine, parce que dans la cuisine, il y aura peut-être des couteaux. Ouais, mais attends, on est dans l'entrée. On va... Il y a une porte d'entrée. Par où on est rentré ? Pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez quelque chose qui ressemble à un grésillement de radio et qui vient de la salle, de la salle où il y a les bassins. Ça, c'est pas les grenouilles, ça. Non, c'est trop pas les grenouilles. Oh. Shérif? Shérif, vous me recevez? Oh, c'est la police. Je me dirige, je cours un petit peu pour aller essayer en direction du bruit. Oh, et donc ça vient d'où? Vous pénétrez dans la salle où il y a les bassins, et ça a l'air de venir du fond, où c'est un peu plus dans l'ombre. Et vous voyez un tout petit carré bleu. Il fait... Oui, tout à fait, je vous rejoins, adjoint. Je suis en patrouille et il se passe rien. Je me rapproche, courageux, mais pas téméraire, en douceur. Hein. Je me rapproche, mais moins vite que tout à l'heure. Et je regarde s'il n'y a pas un combiné, un truc à attraper. Ok, donc tu te rapproches. Il y a le clapotis de l'eau un peu partout, puis sous tes pas, ça fait splotch, flotch. Et tu t'approches, et en effet, il y a un... Ah, comment ça s'appelle, le petit truc, le talkie-walkie, là. Oui, ouais, l'émetteur, on va dire. L'émetteur, voilà, qui est en effet branché à la radio. Que je prends, et du coup, je l'active, je fais « Shérif, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ?» Et au moment où tu l'actives, il y a des petites étincelles qui commencent à sortir de la radio. Et t'as juste le temps de voir qu'il y a un fil électrique qui plonge par terre dans l'eau. Et tu te... Oh putain ! Et je te laisse nous décrire ce qui se passe. Est-ce que j'ai besoin de décrire ce qui se passe? Je pense que tu l'as très bien mimé. L'acteur studio, là. Je pense que Donnie, du coup, s'est pris les pieds dans l'électricité et a donc été électrocuté. Rip Donnie. Donc, qui... Je cours. Vers Donnie ou à l'inverse? Ah non, à l'inverse. Je hurle et je cours. Ah avec mon espèce de barreau de lit. Ah donc du coup tu as fini ta scène ou pas? Moi oui. Ok, ça marche. Oh non, il était cute. Donc maintenant, eh bien, très cher Max, tu es passé dans l'autre équipe, donc tu as aussi un timer qui t'est associé. Donc c'est pareil, je t'indiquerai quand ton timer sera off dans le Discord. Kirsty, toi tu recours dans l'autre sens, tu arrives, Tammy, toi tu as été toute seule dans la cuisine, il y a Kirsty d'un côté qui arrive en déboulant, en hurlant, tandis que Brian de l'autre côté arrive avec, en se tenant le crâne avec un espèce de bandeau qui s'est fait, il a le t-shirt déchiré, son torse apparent, et un filet de sang qui dégouline sur le côté. Quand vous débarquez dans la cuisine, il y a Tamiline qui était en train d'utiliser le reflet du réfrigérateur pour se remettre du rouge à lèvres et en chantant « I tell you what I want, what you really really want, so tell me what you want. » Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Danny, il est mort. Et ton t-shirt? Mais qu'est-ce qui s'est arrivé avec ton t-shirt? J'avance vers et puis je prends ses mains que je pose sur mon torse comme ça. Si tu savais ce que j'ai traversé. Chérie, tu m'as mis du sang partout, c'est pas cool, c'est pas super sympa, parce que je viens de me refaire faire les ongles. C'est horrible ce qui t'est arrivé. Et toi, Kirsty, ça va bien? J'ai perdu mes lunettes de soleil en plus. Oh, tes lunettes de soleil, bébé. Mais bon, je surmonterai cette épreuve. Ensemble, on va réussir à la surmonter. Et avec Kirsty. Et il est passé où, Denis? Il est mort, il s'est fait électrocuter là-haut, les bassins, le talkie-walkie, je sais pas, un fil, il s'est fait électrocuter. Est-ce qu'on peut se barrer d'ici, franchement? Mais non, on doit rester ici, Kirsty. Mais pourquoi faire? Ils ne sont plus là, pour Dawn, pour la chemise de Brian et Donnie. Et pour la justice. Et pour la justice de quoi? Tu veux faire quoi, Brian? Tu veux essayer de trouver le tueur et puis lui faire la peau? Calme-toi, Kirsty. Je prends Kirsty et je la secoue complètement. Calme-toi. Pourquoi t'es pas capable d'être calme? Tu mets une grosse claque dans la gueule. Calme-toi. Non, c'est bon, merci, j'ai compris. Aïe. Oh. Voilà, t'es calmé maintenant. J'ai trouvé les clés d'une voiture. On met la main sur le responsable. On le met dans le coffre. Et on l'amène à la justice. Qui de droit? On peut pas laisser dans le journal. Dawn et Denis comme ça, sans que justice soit faite. On peut pas les abandonner. Si c'était toi, Kirsty, tu voudrais qu'on laisse ton corps comme ça et le responsable s'en tirer? Alors non, mais il n'empêche que si on se fait refroidir les trois également, personne ne saura jamais qu'il y a nos corps ici. Mais pourquoi nous on mourrait? Mais il y a un tueur, il y a quelqu'un, il y a quelque chose dans cette maison. Kirsty, s'il y a bien un truc que j'ai compris sur le monde, c'est que Brian, toi et moi, nous sommes blancs et privilégiés. Il ne peut rien nous arriver. Ah, c'est pas faux. Parce que moi, oui, je crois dans le monde que notre pays a construit. Il ne peut rien m'arriver, d'accord? Je tiens à préciser que tout ce qui est dit dans ce live n'est absolument pas le reflet des idées des gens qui y participent. Je tiens à le préciser. C'est ça, Madge. Madge, calmez-vous, Madge. Et puis regarde, Denis, alors, Denis quoi, il faisait pas d'exercice, il avait peut-être le cœur un peu fragile, tu sais. C'est peut-être juste un terrible accident. Ça se trouve, il est mort maintenant, il était à son top et on n'en savait rien. C'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est quoi le plan? Un plan? Un plan. On va continuer à fouiller. Et on l'aura, salaud. Exactement. Et on va l'emmener devant la justice. Ça, il a pris une voix de badass maintenant. J'ai ma batte de baseball dans mon sac de sport. C'est ça. Ok, t'as une batte de baseball. Moi, j'ai un pied de lit. Et toi? Moi, j'ai un truc de cheminée. Je regarde autour de moi si je peux, c'est un peu genre tailler en pointe mon pied de lit contre quelque chose métallique, je sais pas. Bah écoute, fais un test de chance pour trouver l'objet. De toute façon bébé, qu'est-ce qu'on sait sur ce tueur pour l'instant? Il a une fossile, il n'aime pas le cinéma européen, il n'aime pas les chemises de qualité, il est électricien et il lui manque un bras. Clairement un loser. Il est jaloux de nous. C'est pour ça qu'il nous attaque. Ah ça, il y a des chances. Je sais. 55 sur 60. Ok. Tu trouves un fusil pour affûter les couteaux. Eh bien, je procède. C'est Bear Grylls, ça. C'est tellement ça. C'est absolument ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je vais aller chercher ma batte. Moi, je vais aller chercher mon spray. Je vais lui refaire son visage sûrement déjà laid. Exactement. Je suis sûre qu'en plus, il est moche. Du coup, je retourne vers là où on avait fait notre petit camp de soirée. Okay. Très bien. Vous retournez là-bas. Sur le chemin, vous entendez sur votre droite des crépitements électriques qui proviennent du fond de la pièce où notre très cher Denis a trépassé. Et, faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est mort, Denis. Personne ne me dit les choses que je dois pas faire. Si j'ai envie d'aller à la pièce du mort, j'y vais. Non mais tu vas te faire électrocuter, Tammy. T'es ma meilleure amie, je veux pas devoir mourir. Ça me paraît un bon argument, en même temps j'ai très envie d'y aller. Alors, je veux savoir s'il était plus beau mort que de son vivant. Il était pas beau, il était cute. Je suis obligée d'aller voir. Écoute bébé, même si tu me mets des étincelles plein les yeux, c'est pas une bonne idée d'aller te faire électrocuter. Bon, je te fais confiance parce que t'es un homme. C'est un argument que je peux entendre. C'est absolument horrible. Mais en même temps, maintenant que j'essaie de retrouver mes esprits, il y avait une espèce de talkie-walkie, quelque chose. En tout cas, il y avait une conversation entre des flics. Donc peut-être que si on trouve un moyen de déconnecter ce talkie ou quoi que ce soit au courant électrique qui lui-même est relié à l'eau du bassin... Tammy, elle est perdue là. Ouais, c'est un peu compliqué. Sinon, on peut pas aller sur le toit et crier police très fort? Il y en a peut-être ailleurs des talkies, des téléphones. Peut-être. On prend ma batte. Faut qu'on en trouve. Et on fouille. Ouais. Peut-être qu'au sous-sol, il y a un local technique où ils stockaient du matériel. Ouais. Il y a toujours un truc intéressant dans les sous-sols. C'est sûrement le meilleur endroit où aller. Mais oui, absolument. Le fils de Manounou était électricien, donc je sais des trucs en électrique. Puis bon, on sera en sécurité, il n'y aura qu'un seul accès à celui par lequel on va venir. Exactement, personne ne peut nous surprendre de derrière quand c'est un cul-de-sac. Eh non. Évite toutes les mauvaises surprises, c'est forcément la meilleure solution. Alors que dehors, on peut se faire attaquer de toutes parts. On peut pas s'en aller. Ce serait trop dangereux. Ok. Donc, attendez, je suis en train de faire autre chose en même temps. On fait un détour. On fait un détour pour la batte et pour prendre la batte, et on va descendre au local technique, à la cave, voir s'il n'y a pas genre des talkies d'agents de sécurité ou des trucs comme ça. Ok, ça marche, très bien. Donc faites le détour. Vous trouvez la batte, effectivement. Et c'est tout. Mais tu te rappelles que tu as aussi les clés de la voiture. D'une voiture. On a prévu d'attraper le mec et de mettre dans le coffre. Ah ouais. Pour le livrer à la justice. Oh, américaine. Ils sont déterrés, ils sont déterrés. Est-ce qu'on a foi dans le système de notre pays? Ah, parce que là, il va prendre au moins 3 fois perpète. Hein. Ouais. Il va de soi qu'évidemment, alors que ce n'est absolument pas recommandé et que ça ne mène à rien, Tammy a décidé de cintrer sa chemise au niveau de la poitrine et de remonter un peu son shorty. On ne sait pas trop à quoi ça contribue à sa rapidité, mais en tout cas, il lui a semblé que c'était pertinent. D'accord, ok. Très bien. Et donc, du coup, vous repartez en direction du sous-sol, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est la meilleure stratégie intelligente. Fabuleuse. Très bien. Bah allez-y. Je vous laisse le faire. Nous avons un signe de Denis. Un signe de Denis? Ah. Oui, qui nous semble se manifester. D'accord. Donc Denis, tu interviens, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Parce que au moment où vous descendez dans le sous-sol, donc vous voyez toujours un petit peu ces néons grésillants, etc. Et dans le fond du couloir, par intermittence, vous voyez une gigantesque silhouette, vraiment énorme, avec en plus un torse qui fait 2 fois, 3 fois la taille d'un humain normal, qui est alors un peu penché sur le côté comme ça. Et dans sa main droite, une énorme faucille, mais vraiment monumentale, qui plante dans le plafond, et il commence à avancer, et donc à exploser en fait les néons qui sont au-dessus de sa tête, et du coup au fur et à mesure où il avance, il y a à la fois des étincelles, et à la fois les lumières s'éteignent, et vous voyez juste sa silhouette qui réapparaît dans la lumière suivante, avant qu'il pète le néon suivant. Le salaud, il essaye de nous tuer avec l'amiante. Hey Bigfoot, avance pas là. Fais pas le malin. Il continue de progresser. Fais pas le malin. Montre-lui bébé, montre-lui ce que c'est des vrais Américains. J'ai dit que ça suffisait. En plus regarde comme il est fort à tous les coups, c'est un catcheur de luchadores. Est-ce que au moins t'as tes papiers? Sur son passage, il est à quelques mètres de vous. Moi, je regarde, courageuse mais pas téméraire, Tamiline recule un petit peu quand même vers l'endroit où il arrive en disant « Hein? N'est-ce pas ?» Du coup, au lieu de mettre un coup, moi, je lance la batte de baseball, comme ça. Et puis, je fais, en faisant semblant de protéger Tammy et Kirsty, en fait, je les pousse un peu. Oh, putain! Mais t'es con, mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez la batte qui rebondit contre son torse et qui part au loin, évidemment, sans lui faire visiblement trop de dégâts. Et il continue comme ça d'avancer, et même il abaisse en fait sa faucille et il commence à accélérer le pas. Réflexe de survie, je plonge la main dans la poche de Brian où il a foutu la clé de bagnole pour l'attraper. Ok, du coup là-dessus, chance ou physique? Chance. Allez, chance, on va espérer que c'est la bonne poche. Ouais. Si tu peux trouver d'autres choses dans les poches de Brian. C'est pas du tout la bonne poche. C'était pas la bonne poche. Ah ouais. Donc putain, effectivement, t'as peut-être trouvé autre chose dans sa poche, peut-être par exemple un paquet de préservatifs. Ah. Tout à fait. Brian est un homme toujours prêt. C'est un homme déconstruit. Non, c'est un homme qui a la dalle. Et il est un peu comme les scouts, hein, toujours prêt. Toujours prêt. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous faites, Denis, Max, du coup, où en est le tueur? Le tueur, lui, en fait, est quasiment au pas de course. Il est clairement en train de vous charger. Sa faucille frotte contre le sol et fait des étincelles. Et là, vraiment, il va arriver devant vous et il va décocher un énorme coup de faucille pour trancher la première personne qui est devant lui. Est-ce qu'il y a des trucs pour passer à côté de lui où il prend vraiment tout l'espace du couloir? Ah, tu peux tenter un roulé-boulet. Bah, c'est ce que je veux dire, c'est que si elle s'est fait pousser, étant donné qu'elle est quand même en talon aiguille, et qu'en même temps elle a une chose de cocu, cette pauvre jeune fille, je vais tenter le truc que, genre, avec son machin, par erreur, elle s'avance et qu'elle le poignarde peut-être et voir qu'elle la glisse sur le côté, de l'autre côté du couloir. Donc je vais le tenter. Bah, fais un jet de chance, du coup. Hein. Bah, je vais faire un jet de chance parce que j'ai 60 en chance. Donc, Oui, oui. Ah alors, 84, je sais pas du coup si c'est trop ou pas, mais 84. Trop. Si t'as 60, c'est un échec, 84. Ah merde. Donc tu es poussé devant et tu te dis, bah, quitte à tomber, autant que j'essaye de passer au travers et... Max ? Oh, et la faucille percute... je pense pleinement... Est-ce que je peux me jeter sur la trajectoire de la faucille? Oh, oui. Le héros. Le vrai héros. Fais un test de physique. Si tu l'échoues, c'est Tammy qui raconte sa mort. Si tu réussis, c'est toi qui raconte ta mort. Est-ce que mon athlétisme, ma compétence d'athlétisme me permet d'avoir un avantage? Je te l'accepte. Je trouve que c'est faire. 21. Donc c'est réussi, je te laisse décrire ta mort. Oh. Du coup, je vois la faucille. Tammy. Je la pousse. Je sens dans mon dos le froid de l'acier. Je m'effondre sur elle. J'ai juste le temps de la regarder droit dans les yeux et de faire... Je t'aurais offert le monde. Non, Brian, je veux pas mourir vierge. Quoi? Normalement, c'est bon. Tu m'as menti. Non, merde, c'est pas le moment. Tammy, viens. Je t'attrape par le bras et je me mets à courir en sens inverse. Je peux pas le laisser mourir, il est trop beau. Tammy, tu bouges ton cul et tu viens. Je pars en courant. Fin de la scène du coup pour toi, Max. Et donc du coup vous partez en courant. Genre sans réfléchir, ouais. Le plus loin on s'en fout. Le plus loin on s'en fout. Ok, donc vous remontez les escaliers, vous déboulez dans ce couloir, vous vous dirigez en direction de la porte d'entrée, j'imagine. Non, moi je vais récupérer mes affaires qui sont restées dans la pièce où on a mis nos sacs de couchage. Parce que j'ai ma laque à cheveux dedans et mon briquet. Tammy, je t'adore, t'es ma meilleure pote, mais on s'en fout! Je mets une grosse claque dans la gueule. Mais... L'homme le plus beau du monde est mort aujourd'hui, je ne laisserai pas mourir pour rien. Je vais vers la porte d'entrée. Voilà. Et je pars rechercher mon... D'accord. Donc, il y a Tamiline qui part d'un côté vers le réfectoire, donc qui était juste après l'accueil, en gros, en direction de la partie administrative, et Kirsty qui part vers l'entrée. Tammy, tu te diriges vers le réfectoire, et tu trouves à cet endroit-là toutes vos affaires que vous avez abandonnées. Dont ta laque et un briquet. Exactement. J'accroche en fait mon... Je récupère la chemise de bûcheron de mon bien-aimé que je ressens en faisant... De l'axe. C'était son parfum favori. Et que j'accroche autour de ma taille en mettant mon mon truc de lac autour. Et aussi, je fouille dans le réfectoire pour voir si je peux pas trouver un truc éventuellement, genre de l'essence ou je sais pas quoi, etc. En disant cet endroit brûlera. Genre, je refuse qu'on trouve le corps de mon bien-aimé comme ça, du coup, à essayer de récupérer des trucs ou éventuellement une arme que je trouve beaucoup plus pratique que ce que j'ai laissé tomber comme une grosse merde. Ok. Moi, j'aimerais bien trouver, tu sais, les espèces de trucs pour découper les poulets, là. Tu sais, genre, espèce de petite scie à la con. D'accord. Une scie pour découper les poulets. Bah oui, moi j'en avais une avant. Bah ouais, bah c'est pour la cuisine derrière. D'accord, ok. Et bah fais un test de chance pour trouver objet. Peut-être que tu parviendras à trouver une scie pour les poulets. 44. C'est réussi? Je sais pas, j'ai 60 donc... Tu as 60 donc c'est réussi, c'est okay. Inférieur ou égal. D'accord. Donc tu réussis effectivement, tu trouves pas forcément une scie exactement pour découper les poulets, mais tu trouves un couteau vraiment très très aiguisé avec des petites dents qui doit être pour couper, tu vois, les os ou pour couper le pain. Tu sais pas trop d'ailleurs entre les deux, hein, mais bon. Et du coup je récupère mon super chouchou scintillant rose pour me faire une queue de cheval, qui n'est pas forcément très pratique, mais au moins elle est jolie. Ok. Et, et je regarde je teste pour voir du coup si la petite espèce de petite scie elle fonctionne quand même. Et là je regarde vers le couloir et je fais showtime. Donc tu reviens dans le couloir. Voilà, exactement. Avec pour objectif de t'occuper du tueur. Voilà, en marmonnant que je préfère mourir en citoyenne américaine plutôt que comme une communiste lâche. Ça marche. De ton côté, pendant ce temps-là, Kirsty, tu es arrivé devant la porte. Que j'essaie d'ouvrir. Elle a été barricadée de l'extérieur. Zut. Fenêtre? Il y a des fenêtres, mais tu sais, avec des espèces de barreaux. Ah. Putain, je savais que j'aurais dû être anorexique. Non, merde. Ok, je me dis qu'il doit être à nos trousses, que théoriquement il va débouler dans la pièce. Donc j'aimerais provisoirement faire appel à ma super compétence qui est se cacher. Ok, très bien. Bah, je t'invite à faire un test de chance avec se cacher. Alors, du coup j'ai droit à 2 jets, hein, vu que c'est une compétence. Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. Tant mieux. Oui, 39. 39, ok. Tu parviens à te cacher. Tu te planques concrètement sous une table ou sous le comptoir d'accueil. Ouais. Et tu restes là pour le moment. J'écoute. Et tu écoutes. Tammy, tu avances dans le couloir, décidée. It's showtime. Vers où vas-tu? En fait, je me dis qu'il va probablement venir vers moi. Donc j'ai quand même essayé de regarder pour voir s'il y avait encore du gaz dans la cuisine, au pire pour tenter une espèce de piège. Tu vas me dire, au pire, j'explose ce bordel en partant. Donc peut-être que dans la cuisine, justement, je vais ouvrir les fours, je vais essayer d'ouvrir les trucs de gaz, etc. En me disant, je vais lui tendre un piège au besoin, au pire, je balancerai mon briquet. Enfin, tu vois, je commence à réfléchir un petit peu, sans doute parce que j'ai déjà au moins foutu le feu une fois chez moi en essayant de me faire une permanente. Et je vais quand même pas aller dans les couloirs en disant, oh, t'es espèce de salaud. Enfin, voilà. C'est plutôt genre, je me tiens prête et je marche dans les couloirs en essayant d'entendre. Ah oui. Limite parce que j'ai vu Predator il y a pas longtemps et donc je sais qu'il faut que je reste super silencieuse. Ok, ça marche. Très bien. Bah écoute, tu cherches tout ça. Tu cherches le tueur, hein, mais pour l'instant, tu ne le trouves pas. T'en viens même à... Pour provoquer, presque, t'en viens même à te positionner devant les escaliers qui descendent vers la avec une main sur la hanche. Et rien ne vient. Bien, espèce de salaud. Je vais t'apprendre à voter pour un vrai pays. T'es où? Qu'est-ce que tu attends? En hurlant dans le truc. Mais qu'est-ce que tu attends? Toi, Kirsty, t'entends ça. Hein. T'entends le qu'est-ce que tu attends, tout ça. Oui, j'ai pas peur de toi. Tu entends comme une réponse à ton appel tu entends des sur la rambarde de l'escalier dont la main courante est en métal, t'entends bing, 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 et se découpant dans l'escalier, la batte de ton cher et tendre à la main qui frotte, qui tape donc le long des piliers en métal, tu vois cette énorme silhouette qui se découpe en haut des escaliers avec donc une énorme faucille d'un côté, la batte de ton chéri de l'autre et qui descend vers toi. Je te permets pas d'utiliser sa batte, t'es même pas un tiers de l'homme qu'il était. Et j'ai peur de rien, j'ai été Miss Texas à 14 ans. Donc du coup, ça reste... Ouais, je reste là sur place. Tu restes là sur place? Je vais me mettre à courir à un moment donné quand je sais que ce sera pertinent parce que je veux qu'ils me suivent. Ok. Donc bah, il descend, il est à 3 marches de toi et il commence à lever la batte. Je vais essayer de bouger au moment où justement il veut descendre, pour qu'il se rétame la gueule et que je puisse courir. Ok. Donc il abat la batte sur toi. Qu'est-ce... Alors du coup là, je pense que ça va être un test de... Comment tu joues, Tami, là-dessus? Je veux lui faire perdre l'équilibre, en fait, frapper et en fait bouger, en fait. Et comme je fais du roller tout le temps en tant que serveuse du derby roller, je pense que j'ai des bons réflexes. Ok, donc ça va être du physique là-dessus. Exactement. Et bah c'est parti pour un test de physique. 37. 37 sur... donc oui, ça doit être réussi, toi, non? Sur 50, ouais. Donc effectivement, tu réussis à faire ça. Tu parviens à lui faire perdre l'équilibre, à ce qu'il se casse la gueule devant toi. Il est étalé devant toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que Diraen, je te laisse aussi continuer de dire comment est-ce qu'il réagit de son côté. Hein. Et ben, pour le moment, il s'étale. Il s'étale, ouais. Je sors le briquet et le spray à cheveux pour essayer de... Pensant que ça va fonctionner, parce que j'ai vu ça dans des films, donc forcément dans la vraie vie ça marche. Pour essayer justement d'essayer de lui cramer un peu la gueule tant qu'il est par terre, quoi. Ou le dos. Ok. Donc... Ouais, vas-y. Pendant que t'essayes d'allumer ton briquet, dans un mouvement de roulade... Avec la batte de ton cher et tendre, il tape dans ton genou de toutes ses forces. D'accord, bah je tombe à genoux du coup. Je vous invite à... Enfin, je t'invite quand même, Dawn, à faire un test de physique pour le tueur. Avec une caractéristique de physique à 70. Ça devrait aller. C'est un 9. Et oui, bah, ça va très bien se passer. Ça fonctionne. Et du coup, ton genou de roller serveuse fait un méchant crack. Bah, je pousse un hurlement, mais étant donné que je me doute que bah, ça va être un peu compliqué, je sors du coup l'espèce de truc de... pour les... Tassi à poulet. Pour les poulets. Et j'essaie de lui planter dans l'épaule en disant « J'arrive, bébé, j'arrive !» Est-ce que j'entends tout ça depuis l'entrée? Ouais, je pense que tu l'entends. Tami, un jet de physique pour faire ce que t'as demandé. Kirsty, 50. Donc tu réussis ton action. Tu parviens à le bousculer, donc du coup, c'est ça? Oui. Ok. Donc tu parviens à le bousculer. Le tueur commence à tomber un peu à la renverse dans les escaliers devant lesquels il était. Tami, tu as échappé au tueur pour le moment. Kirsty, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Bah, à partir du moment où j'ai entendu que ça gueulait dans la cuisine, bah, je me dis non, merde, je peux pas lâcher ma copine. Alors je cours direction affectoire. Ok, bah, très bien. Tu vas peut-être me croiser en train de me tenir le genou avec du sang, etc. Avec le maquillage qui a coulé, comme si j'avais pris 14 litres de sueur dans la gueule en une minute. Ok, très bien. Vous voyez mutuellement, vous vous retrouvez l'une et l'autre. Kirsty, tu vois Tami qui a le genou moitié pété, qui boite comme pas possible, qui a du mal à se relever. Non, mais Tammy, qu'est-ce que t'as fait? Je l'aide à se relever, enfin, autant que possible. J'étais une vraie américaine. Aïe, aïe, aïe. Oh non, non, vu la gueule de ton genou, c'est mieux pas. Attends, je vais te traîner. Est-ce que le tueur est encore au fond du couloir? Est-ce que le tueur quoi, pardon? Est-ce qu'on le voit au fond du couloir encore par terre, ou est-ce que j'ai réussi à le semer dans un couloir? Non, il est reparti dans l'ombre au moment où tu l'as tapé, en fait. Enfin, il est retombé dans l'ombre, plutôt. Et je suis en train de... Je lui montre mon genou. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi, Kirsty, si j'arrive pas à survivre à tout ça. Quoi? Il faut que tu dises à mon enterrement que j'aurais été acceptée à la fac. Je veux pas leur laisser dire le contraire. Ouais. Non seulement t'aurais été acceptée à la fac, mais t'aurais eu une bourse. Tellement t'as eu des bons résultats. C'est vrai que j'aurais pu avoir une bourse. Non, pis merde, tu sais quoi, je vais te sortir de là. Non, allez. Rien n'est perdu. Je lui passe les bras, enfin je la chope sous les bras, puis je commence à la tirer pour repartir en arrière. Ok. Pendant que Kirsty est en train de tirer, Tammy, du coup, elle longe le couloir et en fait elle entend des bruits de pas de la pièce qu'elles sont en train de longer. Et donc Kirsty est en train de tirer Tammy comme ça. Elle est donc Tammy est dos à elle, elle ne le sent pas, elle ne la voit pas directement. Et soudainement, en fait, il y a un bras qui traverse le mur mitoyen et qui balaye avec la faucille en espérant... Oh putain. Il y a vraiment le plâtre qui vole les briques et en espérant de choper une tête ou deux. Ok. Soudainement, il y a vraiment ce bras énorme hideux avec cette faucille au bout qui passe presque à la manière d'un piège d'Indiana Jones au-dessus de leur tête en tapant au hasard. C'est la destruction de bien public, espèce d'enfoiré. Vu que c'est fait au jugé de la part du tueur, je t'invite à faire un test de chance pour le tueur là-dessus. Il n'a que 30 en compétence sur la chance. Là, il a fait 28. Oh putain. Oh. Alors. Je vous invite à faire un jet de chance aussi toutes les deux pour voir laquelle des deux. Alors celle qui a le moins de chance potentiellement va peut-être y passer là-dessus. Hein. Ouh. 32 baby. Est-ce que je peux utiliser la super compétence athlétisme? Eh bah oui, ça peut être le moment. Ouais. C'est un 36. 36, c'est ton meilleur score? Oui. Ok. Eh bien, je te laisse décrire, Kirsty, ce qu'il se passe pour ton personnage, car c'est toi qui as fait le moins bon score. Alors, donc j'étais en train de tirer comme ça à Tammy. Non, mais t'inquiète pas, on va s'en sortir, ça va aller. J'imagine que dans un quart de fragment, de dixième de seconde, je vois limite au ralenti ce bras avec cette faucille arriver. Je vois un peu toutes les images de ma vie. Je me dis putain, ça a été vachement rapide quand même. Et puis sur les paroles de c'est comme dans Thelma et Louise, on n'a qu'à pas s'arrêter. Super. Kirsty vient d'y passer, alors la scène est absolument horrible. Lamentable. Le tueur repasse dans l'ombre, donc Basile, ton timer est reparti. Kirsty décède sur le coup, avec la faucille qui passe au niveau de sa tête. Et en fait, Tammy, tu étais tiré, et d'un coup, tu es lâché. Tu as entendu ce bruit qui est passé au-dessus. Et tandis que tu relèves la tête, tu vois Kirsty qui pendant un moment est restée debout avec les bras comme ça, un peu ballants. Et tu as le haut de son crâne qui te tombe dessus. Tammy, elle tombe en fait, et elle recule en par terre, en poussant des cris, en voyant sa pote qui tombe d'abord à genoux, etc. avec tout ça, et avec le cerveau qui lui tombe dessus, et elle pousse un hurlement comme c'est pas possible, et essaye de se redresser en tenant sa jambe. Et j'ai du mal à me retrouver où est-ce qu'on est dans le plan. Je suppose que la porte d'entrée était fermée, c'était bien ça, non? La porte d'entrée était fermée, là vous repartiez en direction de la cuisine plutôt. Bah, justement, je vais essayer de foncer vers la cuisine parce que je me rappelle, c'est là qu'il y a les frigos avec la sortie qui permet de mener vers le jardin. Tout à fait. Donc en courant, je vais me tenir mon genou, etc. Et j'essaye de voir si j'ai gardé avec moi mon briquet, ou alors vu que je repasse vers l'endroit où je lui ai cramé la gueule, je vais essayer de récupérer mon briquet et d'aller dans la cuisine en mode si je meurs, je l'embarque avec moi. Final round, ok. Final round. Ok, ça marche. Tu arrives dans la cuisine, tu retrouves ça, t'es un peu paniqué, tu prends tes affaires. Le gaz, ça sent le gaz parce que tu l'avais laissé ouvert. Si bah du coup la porte est ouverte, il y a un moment de doute en mode est-ce que je prends la porte pour aller voir le jardinier ou alors est-ce que je fais un truc. Donc du coup j'avais trouvé de l'essence ou pas? De l'essence? Non, vous en avez pas vu de l'essence. D'accord. Bah du coup je suis vraiment en mode j'attends là avec mon briquet et tout en me tenant le genou parce que de toute façon je sais que je vais devoir faire un sprint à mon avis et parce que je vais être sûre qu'ils m'attendent pas derrière la porte en marmonnant viens ici enfoiré, viens ici. Très bien. Et bah écoute, pour l'instant... Ah, et du coup pendant que tu es en train d'attendre justement, tu entends le raclement de la fossile contre les murs et contre le sol, etc. Tu entends qu'il se rapproche et tu entends une véritable voix d'outre-tombe qui dit « Tammy, tu m'as oublié, Tammy ?» Et il apparaît dans l'encadrure de la porte. Avec sa carrure gigantesque. Je peux t'oublier, je t'ai vu il y a 5 minutes et je n'ai pas de problème de mémoire à court terme. Il rentre dans la cuisine en accrochant vraiment sa main contre le mur. Tu vois même qu'il plie l'encadrure de la porte avec sa main et il commence à s'engager dans la cuisine. Et en disant « Non, Tammy, non. On se connaît depuis bien plus longtemps. » À la soupe populaire, j'y suis allée en été. Mais c'était pas Noël et du coup il y avait juste des gens qui puaient et du coup je suis partie en courant. Je ne fréquente pas des gens avec des fossiles, je suis une vraie américaine. Tu te rappelles pas de ton demi-frère, Tammy? Tu ne me reconnais pas? Lionel? Oui, Tammy, mais... oui. Mais enfin, mais tu ne ressembles à rien. Tu ressemblais déjà pas à grand chose, mais à moins que rien maintenant. C'est à cause de toi, Tammy. C'est à cause de toi. Et il continue de s'avancer vers toi. Je recule du coup, j'essaie de reculer du côté de la porte. Voilà. Quitte à faire en fait le tour des tables un peu à la Benny Hill, très lentement. Il pousse les tables avec son bras. Lionel, il faut que tu acceptes que la génétique est une loterie injuste, contrairement à l'Amérique. Il faut dire que t'as beaucoup hérité de papa. Enfin, pas financièrement, mais... il continue de se rapprocher de toi, il pousse les tables, il découpe les meubles, et vraiment, il commence à accélérer le pas et à foncer de plus en plus vers toi. À se rapprocher, à être à portée de main. Mais ça sert à rien de me faire du mal, tu m'as déjà tout pris. Tu m'as pris l'homme que j'aime, tu m'as pris ma meilleure amie, tu m'as pris Dawn, tu m'as pris l'autre là avec qui s'est électrocuté, tu m'as pris Johnny, voilà. Tu vois donc rien que je n'ai plus rien, maintenant je ne suis plus qu'une belle jeune femme avec beaucoup d'avenir, ce n'est rien du tout. S'ils ne sont pas là pour me regarder réussir, ça n'est rien. Je vais tout te prendre, Tammy, même ta vie. Et là, il se jette sur elle. Ok. Tammy, oui, toi, tu voulais faire un truc. Je n'ai plus rien avec moi comme objet. D'accord. Je pense que la seule chose que je pourrais essayer de faire, c'est que peut-être essayer de faire un petit roulé sur le côté ou au milieu des trucs pour essayer de l'éviter et passer derrière lui et passer vers la porte pour balancer le briquet. Ok, bah, je t'invite à faire un test de physique. Messieurs, dames. Pour essayer de t'échapper de ça. Le jet de la vérité. Un 7. Waouh! Eh bien, elle parvient à esquiver. Lionel, donc, de son nom, s'éclate contre le plan de travail de la cuisine et veut se retourner pour s'occuper de Tammy qui... Bon, je pense que je bousse les chaises, etc. en me disant que je vais peut-être essayer de le retenir. Et je tiens mon genou, etc. Et en me mettant dans la cadre de la porte, j'allume le briquet. Ouais. Et je vais dire... ça t'apprendra à être né du mauvais côté de la famille. Je balance le briquet. Et je vous invite... Alors, je vous invite tous les deux à faire un jet de chance. 30 de chance pour le tueur. Et 60 de chance pour Tammy. Allez. 89 pour moi. C'est 59, je me disais putain pour 60. En fait, alors, ce qui se passe, c'est que bon, alors Lionel n'évite pas du tout le coup. Il se prend la déflagration de gaz qui était restée active pour on ne sait quelle raison, hein, parce que c'est un sanatorium abandonné depuis très longtemps. Donc étonnamment, il y a toujours les conduites de gaz qui fonctionnent. Mais de son côté, Tammy a voulu la faire un peu à l'américaine, en jetant le truc et en partant comme ça. Et, cool guys, don't do that explosion. Exactement, et donc du coup t'as une espèce d'explosion derrière, et t'as de la chance quand même, mais t'es passé à ça, donc tu te fais quand même souffler par par l'explosion, tu te ramasses dans l'herbe, tu as le dos en partie brûlé, tu as l'arrière de tes vêtements qui sont complètement, complètement cramés, voilà, donc on se retrouve avec l'abimbo à poil dans la... dans le jardin du sanatorium. Mais tu as survécu, félicitations, tu as survécu. Tandis que tous nos autres amis eh bien sont morts. Et que Lionel aussi y est passé, ça va être la fin de cette partie. Alors attendez, qu'est-ce que vous aviez écrit? Le crétin va faire le speech à méchant de James Bond, du coup elle va s'en tirer. Oui, oui, ça a été un peu ça. Ah oui, tu voulais lui donner ton timer. Ah oui, bah écoutez, je suis navré. Là-dessus, on n'avait pas mis le voile sur le tueur, donc on a enchaîné sur la scène, pardon. Donc voilà. Et donc t'as mis en tout cas. Tammy survivra avec l'arrière du dos peut-être à refaire. Félicitations, bravo. Bravo à vous, vous avez donné bien joué. Une prestation magnifique. Il n'y a pas à dire. Dans l'ensemble, hein, vous avez tous fait ça magnifiquement. Vous avez eu de superbes idées. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit Tammy qui survive à la fin. Moi, je savais que ça allait être elle. La ressource, elle a été Miss Texas. Alors, du coup, sur le tueur, pour un petit peu lever le voile sur le tueur, eh bien, effectivement, il s'agissait de Lionel, le demi-frère de Tamiline, qui avait une vengeance toute personnelle, car en fait, Tamiline avait bénéficié de la thune prévue pour ses études pour se refaire les nichons. Lui avait donc raté sa vie. Pour se faire il y a un petit peu... En 2 ans, le mec, il a ultra accéléré. Il a... pour se faire un peu d'argent, il a vendu un petit peu sa santé à la science. Et il a fait le fruit d'expériences diverses pour remédier aux maladies de pensionnaires d'un autre établissement. Avant de se réfugier dans celui-ci, on ne sait pourquoi. Il lui manquait un bras. Il avait effectivement une faucille qui était greffée sur le moignon à la place de ce bras. Et il avait un corps difforme avec une énorme cage thoracique. Il aimait faire peur et il avait comme objet une faucille et une batte. Comme capacité, il pouvait traverser les murs et frapper au travers d'un mur. Ce que l'on a vu, en tout cas, pour le fait de frapper au travers d'un mur. Donc bravo! Bravo, c'était très beau, très belle partie. Très chouette. Vous avez compté tout ça d'une main de maître. Hein. Bravo à vous. Et on peut faire le décompte hein, si vous voulez des points, oui. Si vous avez coché vos bingos. Alors lisez bien toutes les cartes, hein, toutes les cases, il y a peut-être des trucs auxquels vous n'avez pas pensé mais que vous avez rempli, hein, comme par exemple faire une chute conne dans les escaliers, Donnie l'a fait. Ouais. La chute, mais j'y avais pensé justement, se prendre les pieds. Et appeler la police aussi, même si c'est sans succès. Ah, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ah. Je sais plus qui a proposé que le groupe se sépare. Je crois que c'était, ouais. Kirsty, ouais. Ah. On l'a fait tellement de fois qu'on ne sait plus. Ouais. Je me souviens juste que quelqu'un a dit « Ah, on pourrait se séparer » et que Denis a fait « Bah, non. » Effectivement, on a eu le sauvetage de son amant par Brian. Est-ce que ça compte aussi comme jouer au héros, du coup? Ouais. Oui. Moi, j'ai fait 105 points. 105 points, ok. Wow, ah, très bien. Final Girl. Ouais. Ce qui rapporte déjà 50. Ouais, j'ai fait... Merde, j'ai fait... Révéler sa position, faut faire exprès, pas ça. J'ai gueulé, j'ai chanté des Spice Girls. Ouais, t'as gueulé aussi pour appeler le tueur. Hein, c'est vrai, je l'ai appelé le tueur aussi. Je me suis pété la jambe, j'ai raconté une légende urbaine effrayante. Et puis je sais plus ce que j'avais fait encore, j'ai noté. J'ai noté un truc à 5 aussi que j'ai fait. Révéler sa position, donc sans faire exprès. Mais je crois que je suis à 105, parce que j'ai fait un 20 aussi. Joli. Ah si, assommer, faire tomber le tueur et s'enfuir. Ah oui, c'est vrai. Joli. Est-ce que se casser la jambe, ça compte? Bah oui. Pour toi? Oui. Oui. Ah oui, très joli. Ça a marché. Moi j'ai fait 110. Oh là. J'ai sauvé son amant du tueur, mon amant en l'occurrence, jouer au héros, se blesser, se prendre les pieds dans quelque chose ou prendre quelque chose dans la gueule, survivre à la première attaque du tueur. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. Survivre à la première attaque du tueur, je l'avais oublié celle-là. Et perdre un objet que le tueur utilisera ensuite, la batte. Je suis donc à 125. Waouh. Bah après, Final Girl, c'est 50 points déjà, donc... Ah ouais. Donc 125 pour Tammy, 110 pour Brian. Denis, toi, t'as pu... je suis à 50. Tranquille. Comptez aussi ce que vous avez... pu avoir comme point en tant que tueur. Ah, on additionne avec tueur. Les deux s'additionnent. Ok, je vais recompter alors. Est-ce que je peux considérer que la faucille qui m'a tué, ça compte pour se prendre quelque chose dans la gueule? Je pense oui, puisque oui, littéralement. Dans la gueule en plus, littéralement. Oui. Ah d'ailleurs, c'est prendre un truc dans la gueule. Oui, là pour le coup, tu l'as fait aussi, Basile. Il y a quelqu'un qui a essayé de remettre le courant. Ouais, tu l'as compté. T'as dit quoi? Et quelqu'un qui a essayé de remettre le courant, je crois, non? Ah non, qui s'est pris le courant, pardon. Il s'est pris le courant. C'était déjà remis malgré lui. Ah, mais du coup, on a un téléphone. Est-ce que suspendre Dawn au crochet dans le frigo, ça compte comme utiliser du matériel de cuisine? Ah bah, c'est une chambre froide, c'est du matériel de cuisine. Bah... Oh, t'as utilisé le frigo? Il a laissé une tête dans le frigo. Je me sens quand même le besoin de préciser que, en temps normal, Cora est féministe et a un doctorat. Oui, alors évidemment, on va rappeler que tout ce qu'il s'est passé ici ce soir n'est pas du tout le reflet des personnes qui ont joué à ce jeu absolument horrible. Et au passage, merci beaucoup Studio 4D2 pour le raid, salut les copains. J'espère que votre live s'est bien passé. Donc non, effectivement, on a que des gens qui sont adorables autour de cette table, hein, le restant du temps, mais qui sont absolument détestables quand il s'agit de jouer des ados américains qui sont voués à mourir en plus. Bon, on tient à préciser aussi que Basile est misogyne, mais il n'est pas américain. Oh. Mais je fais du travail sur moi-même. Il dit pas non en plus. C'est pas à moi de le dire. Il a des causes. Personne de mon entourage qui jugeront. Alors du coup, 100 points tout rond. Tout rond, 100 points, ok. Tout rond. Et moi j'ai fait 70. 70, en comptant aussi les événements du tueur? Bah oui, parce qu'on a, pas fait tant de trucs que ça sur le bingo côté de faire. 20, 40 au total, le tueur il a 50 points, je crois. Ah bon? Qu'est-ce que t'as compté? Ouais, mais faut qu'on, mais tu comptes pas ce qui s'est réalisé avant que tu meurs. Non, non, pas. Mais non. Là, j'ai compté, j'ai séparé pour moi, et, mais au total, j'ai 50 points de tueur pour toute la partie. Et, okay. Mais t'as coché quoi? Parce que du coup, j'ai dû en oublier, moi. L'arme favorite est une arme blanche. Le tueur marche toujours de manière dramatique. Ah. Notamment dans le couloir. J'ai dû en rater. Utiliser du matériel de cuisine, utiliser du matériel de jardinage. Ouais. Laisser une tête dans le frigo. Il y avait un corps, mais il y avait une tête quand même. Oui, oui, il y avait une tête, oui. On peut confirmer. Au départ, attaché au corps, et puis après, beaucoup moins. Et ne jamais tuer deux fois de la même façon, parce qu'il y a eu une électrocution, un coup à travers le mur. Tout à fait. Alors, il n'y a pas eu... du coup, il n'y a eu aucune ligne ou colonne qui a été remplie entièrement, j'ai l'impression, pendant cette partie. Ah oui. C'est pas grave, eh bien, de votre côté, quand... de votre côté, quand le système sortira, hein, qu'on le rendra disponible, vous pourrez vous amuser à essayer de remplir les colonnes et les lignes durant vos parties. Voilà, pour votre information, on va un petit peu... voilà, c'était une partie d'essai, quelque part, c'était la première fois qu'on y jouait. C'est possible qu'on revienne à faire d'autres parties sur ce système-là, parce que c'est très plaisant et que ça permet de créer plein de nouvelles histoires sur la chaîne. Et puis on intégrera dans le manuscrit, pour pouvoir y jouer, également un moyen de pouvoir y jouer sans MJ, puisque vous l'avez vu, ce soir j'étais quand même pas mal spectateur, et que c'est un système qui peut tout à fait se prêter à y jouer sans maître du jeu. Donc on y travaillera pour le rendre également disponible sous cette forme-là. On refera une version des trentenaires Twitchers se retrouvent à une convention et sont poursuivis. du Par un fan de la sangria à 3h du matin à Lyon. Exactement, après avoir bu beaucoup trop de shots, et ils savent pas si ce qu'ils voient c'est le fruit de leur imagination ou s'ils ont réellement vu tout ça. Est-ce qu'on est dans un GM, est-ce qu'il y a vraiment un tueur? Au final, le tueur n'aura tué personne, mais eux-mêmes se seront empalés, étripés, enfin tout ça quoi. Et il y a un mec qui fait des chants allemands très bizarres. Oui, surtout il y a un mec qui fait des chants allemands. Merci encore. Avec un accordéon. Avec un accordéon. Le tueur à l'accordéon. Quelle horreur. Merci encore à vous d'avoir participé à cette partie. Je rappelle autour de la table, nous avions Clueless Cora, le fils de pub, Diraen, Calamity Jenny du studio 4D2 et Basile Petit de la chaîne Les Dés sont Jetés. Eh bien, merci à tous. C'était un immense plaisir. Oui, merci pour l'invitation. Tout de même. Très cool. C'était très très chouette de jouer. Merci MJ. Avec grand plaisir. Vous avez fait énormément du boulot pour ce soir et vous avez fait un excellent boulot. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a diverses actualités qu'on doit citer pour les uns et les autres? Peut-être à commencer par Cora, si t'as des actualités dont tu veux parler. Bah non, parce que je reviens de conférences justement sur le GN, donc j'ai plus rien à foutre pour les mois à venir, donc je suis obligée de me remettre au montage parce que j'ai plus d'excuses. Ah, donc bientôt une vidéo. Alors, sois pas désagréable. je viens de survivre. Peut-être, oui, bientôt. Peut-être, ça marche. Max, de ton côté. Et ben la vidéo qui est sortie sur ma chaîne Le Fils de Pub, sur la chaîne YouTube Le Fils de Pub, qui est sortie hier. N'hésitez pas à aller la voir, elle est encore toute fraîche. Et très très bien, sinon, donc allez-y. Et sinon, demain, 9h, pareil pour Halloween, on fait un mélange entre bonnes nouvelles et lecture de SCP. C'est quoi SCP? Qui se lèvent tôt demain. Pardon? C'est quoi SCP? Les SCP, c'est la Fondation SCP. En fait, c'est un site web qui compile énormément de fictions que les gens ont écrit autour, en fait, d'une organisation qui essaie de contenir des trucs paranormaux. Ouh, cool. Voilà. Et d'une manière générale, n'hésitez pas à suivre du coup la chaîne de Max, le fils de pub, parce que les good news everyone sont toujours excellentes à suivre, que moi quand je les lance à chaque fois je finis par ne plus bosser et juste écrire dans le chat. Voilà. C'est le risque, c'est le risque. Et Sam Fumi dans le chat nous dit en plus qu'on fait du marble. Et ça c'est chouette. Oui. Si vous ne savez pas, eh ben, venez vous découvrir ce que c'est que le marble. Diraen, est-ce que tu as une actu de ton côté dont tu veux que l'on parle? Rien de spécial, juste c'est les Utopiales à Nantes à partir de jeudi, et si c'est aussi bien que l'année dernière, je vais probablement absolument spammer mon Insta pour essayer de faire des résumés des meilleurs confs, et puis je ferai probablement un petit passage par la partie JDR, parce qu'il y a toujours une partie JDR aux Utopiales. Donc, voilà. Tu es à Nantes, toi? Trop bien. Oui, enfin pas loin. D'accord, ok. Bah écoute, c'est de jeudi à dimanche, c'est ça hein? C'est de jeudi à dimanche, ouais. Ouais, si j'ai le temps, je suis pas sûr, mais si j'ai le temps, j'y passerai. Bah, fais-moi signe, on est donc à l'occasion, là, on sera peut-être signe. Donc, les Utopiales, très bien. Calamity Jenny. Oui, et ben, le studio 4D2 toujours, actif. On a plusieurs campagnes... régulière, le comptoir des songes, les chaînes du destin, et puis toujours des petits actual plays comme ça, ponctuels qui viennent se greffer. Et moi, j'ai un alien dans les turbines que je suis en train de travailler avec potentiellement un décor assez ouf pour la prochaine. Mais ça, on en dira plus d'ici, je dirais, un mois et demi. Est-ce que ça prend la suite en termes de scénario de la traîtrise que j'ai vécue en live? Alors ce sera pas la suite, mais par contre effectivement je planche sur une petite campagne à partir de ce que vous m'avez concocté la dernière fois, parce qu'il y a eu des idées absolument géniales. Ouais, alors rappelons qu'elle ne venait pas de moi, parce que moi j'étais la victime dans l'affaire. Grave. Elle venait de l'Ubuway qui est dans le chat d'ailleurs. Salut enfoiré. Ouais. Le traître. J'ai toujours en travers de la gorge, j'ai toujours pas digéré. Non, mais et oui, toujours faire attention aux tibias. T'as vu, il y a personne qui s'est pris des trucs dans les tibias aujourd'hui. Et puis, eh bien, Basile, j'allais dire Brian. Basile, ça te va tellement bien ce prénom. Qu'est-ce que tu veux ? On t'appellera Brian dorénavant. Ok, bon. Bah, moi, du coup, bah, comme je vous ai fait souffrir vendredi. Sur du Monster of the Week, la vidéo elle va sortir sur YouTube très très vite pour les gens qui l'auraient manqué. Bah, soit elle sort demain, soit après-demain, je sais pas exactement. Faut qu'on en reparle. Voilà, et d'ici là, eh ben, j'ai une petite. Je vais commencer à me pencher sur le scénario de Noël, qui sera sûrement du Donjon et Chatons, qui sera une première de Donjon et Chatons sur la chaîne. Tout à fait, une grande découverte pour nous. Et j'ai aussi un de nos amis, Monsieur Geek Fabula, qui m'a aussi invité à faire un épisode de Noël chez lui, où pour le coup je ferai du Tiny, un jeu de rôle où on joue des jouets et des peluches. Voilà. On passera de Halloween à une surcouche de guimauve et de mignonnerie. C'est le moment où on me demande, toi, c'est quoi ton actu? Ouais. Ah, moi j'ai pas grand chose, hein. Moi vous savez, je suis en live régulièrement sur Twitch pour pas faire grand chose à part lancer des dés. Et puis sinon bah toutes les semaines les dés sont jetés sur YouTube, même si en ce moment là il y a un petit temps de pause pour la période d'Halloween, et que le prochain live donc sur les dés sont jetés, ce sera le 5 novembre sur cette même chaîne, donc n'hésitez pas à être présent, même si ce sera une rediffusion d'une session qu'on a déjà tournée parce qu'on n'était pas tous dispo pour être là en même temps. Soyez quand même présents parce qu'il y aura des votes en live qui influenceront la partie suivante. Donc c'est quand même important. Et puis sinon bah, la rediff de cet épisode de Slasher hein, qui sortira dans les jours à venir sur la chaîne YouTube pour votre plus grand plaisir, pour pouvoir vous faire quelques frissons à Halloween. Et après voilà, on verra quand sortira les règles du Slasher, mais il y a moyen que on fasse les choses un peu bien avec une belle présentation et qu'on en parle en tout cas sur nos réseaux, pour que vous puissiez le télécharger et eh bien, le faire jouer aussi chez vous. Trop là. Cool. Sachant que c'est un jeu qu'on peut très facilement improviser. Hein, donc, Voilà. Et puis sinon, évidemment, les vidéos sur la chaîne YouTube qui vont continuer, les vidéos de lore pour accompagner la série principale, les vidéos de conseils du MJ qui vont poursuivre. Max en regarde une ce matin. Enfin, cet après-midi. Oui, je sais plus. Et du coup, la prochaine, ça va être sur la modulation de la voix, notamment, que j'ai pas fini de monter, il faut que je finisse de la monter. Mais je vous rassure, je suis plus rapide que Cora pour monter mes vidéos, donc ça devrait le faire. C'était gratuit. Ouh, le bastos. Pas grave. Elle a été un peu perdue celle-là, ouais. Non, mais c'est pas grave, ça se paiera. Je sais où te trouver dans quelques mois, donc. Ah bon? Oh merde! Octogone, en tout cas, je sais où te repérer. Ah non, quelques mois, ça va, c'est dans quasiment un an, c'est bon. Oui, mais je mets du temps justement à préparer mes trucs, apparemment, donc ma vengeance aussi. Eh bien, sur ce. C'est sympa, là, tu viens participer à des actualités pour faire plaisir et je m'en prends plein la gueule toute la soirée. Quel amour, quel amour. Sur ce, on va faire un petit raid quand même pour fêter la fin de ce live. On va aller raider notre très cher ami, le MJ masqué, qui est en live aussi pour un nouveau concept, pardon, qu'il a lancé. Donc j'essaye de retrouver comment ça s'écrit, MJ underscore masqué, j'imagine, non? C'est comment? MJ masqué en un seul mot? Le MJ masqué. Ah, c'est le MJ masqué, c'est pour ça que je le trouvais pas. Le MJ masqué. Attends, c'est tout attaché qu'il a fait ça? Oui, tout à fait. C'est moi censé être la boumeuse de Twitch ici, voilà. Je te rappelle. Hein. Ouais, non mais chut. Ça c'est de la répartie comme on aime. Ouais, non, pas mieux, voilà, pas mieux du tout. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce tout nouveau concept de jeu. J'espère encore une fois que ça vous a plu. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars. On se retrouve très vite pour de nouveaux lives. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao! Bonne soirée. Salut. Bye.